Comment ça va les amis? Ça va bien ou pas là? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour la réouverture du Chris Market? Du Chris Market. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va faire le live comme ça là. Je pense en vrai. En vrai, on va faire le live comme ça, c'est bien là. On va faire le live comme ça, c'est pas mal. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va faire le live comme as. En vrai, vous avez pas besoin de me voir. C'est un live, vous avez pas besoin de me voir. Je pense en vrai comme ça c'est bien là. Là on est pas mal. Juste 2 heures ça va être un peu long mais chill, tranquille. De quoi vous voulez me voir en entier mais y a pas de problème les gars. Là je suis en entier. Alors, vous voyez je suis là comme d'habitude et tout, y a rien, y a pas de galère. Les gars je me suis montré. De quoi? Je comprends pas ce que vous dites. Vous voulez que je montre une barbe? Ben y a pas de problème. Voilà une barbe, enfin chill, tu vois. Tranquille, chill une barbe. On peut avancer ou on est obligé d'en parler pendant 20 ans là? Ma tête? Mais je peux vous montrer ma tête aussi. Y a pas de problème. Je peux vous montrer ma tête aussi. Elle est là. Genre. Là, c'est ma tête, sur un post de ayami-shop.fr. Voilà, vous avez ma tête. Bon, on va peut-être pouvoir discuter maintenant, peut-être pouvoir enchaîner. Vas-y, bah je suis là, regardez. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. En vrai, je suis là, on va pouvoir continuer les lives. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on refait du supermarket simulator. On va refaire du supermarket simulator. J'avais hâte de rejouer avec vous là. Ça va être carré de fou là. De quoi? Enlève le t-shirt. Mais y a pas de problème. Je peux enlever le t-shirt. En vrai, y a pas de souci. Je peux enlever le t-shirt en vrai. En vrai, je peux enlever le t-shirt de zinzin. Je peux enlever le t-shirt de zinzin, les gars. Enlève ta main. Bah, je peux l'enlever. Nique ta mère aussi là, là. Vidéo de con hein. Bon écoutez, Je retire. On en parle pendant. Vous avez une minute où vous pouvez en parler. Après on n'en parle plus. Une minute. Il est 19h13. 18h13, je sais même pas lire en plus. Il est 18h13. À 18h14, on n'en parle plus. À 18h14, c'est quoi à 18h14, je me baisse. À 18h14, je me baisse. À 18h15, on n'en parle plus. On attend. Ça, je gratte du temps, là. Merci beaucoup, Milo Studio pour le Prime. Merci beaucoup, Lolo Star pour le 3e mois. C'est une catastrophe. Oh, j'ai 12 ans, la vie de ma mère. Oh, j'ai 12 ans, mais non, mais j'ai 12 ans, j'ai 15, là je vais en boîte, on me demande ma carte d'identité. Heureusement ça repousse vite, mais putain, on dirait un enfant. On me donne quel âge là? On me donne très, très peu finalement, très peu. Et c'est quoi ces cheveux de con aussi là? Voilà. Ouais, on dirait 16-17, oui, alors, et alors? On dit, c'est aujourd'hui, je réouvre pas le magasin, je suis le stagiaire du magasin. J'ai 17 piges. C'est trop bizarre. Mais après, Pidi a dit ça va aller. Donc je me raccroche à ça en vrai. Merci beaucoup PMMPPMVPP Prime pour le Prime. Merci beaucoup. Et en plus, c'est une dinguerie parce que en plus, j'ai un menton. Quand je baisse le visage, on dirait que j'ai un double menton là. Vous voyez ou pas là? On dirait que j'ai un double menton. Ouais, je vais abuser. Mais on dirait que j'ai un double menton. Et en fait, ma barbe la cache, ça. Ça cache, ça. Bah là, je peux plus. Je vais me foutre en l'air. Toi, t'es un 2014. Allez où faire foutre? Allez. C'est une dinguerie. J'ai trop le seum. Bon bah écoutez, c'est pas... On va s'habiller... C'est bon, il est 18h15, on passe à autre chose. C'est bon. C'est à cause de la vidéo post-it? Oui.
J'aurais vraiment eu que des dingueries en ce moment. J'ai vraiment que des dingueries en ce moment. Là, vous rigolez, mais vous savez ce qui va vous faire rire? Est-ce que vous savez ce qui va moins vous faire rire? Maintenant, les rediffs, elles sont sub-only. Ah là, on rigole moins, là! On rigole moins, maintenant! Alors, est-ce qu'on rigole, maintenant? On rigole plus, là! Voilà, là, voilà, voilà, on rigole moins, là! Là, on rigole moins! Voilà. Je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre. On déhec bien, là. Là, on déhec, là. Là, on déhec bien, là. Eh oui, les petits potes. Eh oui, eh oui. Pourquoi? Parce que j'ai sorti une chaîne qui s'appelle Sora Rediff. Et maintenant, vous pouvez aller voir les rediffs des lives directement sur YouTube avec du délai. Et si vous voulez les voir directement, eh ben, ce sera sur Twitch. Directement, c'est sur Twitch. Oui, directement, c'est sur Twitch. Avec un peu de délai, ce sera sur son rediff. Je vais vous montrer la chaîne. Je vais vous la mettre en... Je vais vous la montrer. Je peux même pas vous la montrer parce qu'elle a pas assez d'abonnés. Il faut que je vous la montre. Pourquoi t'as... Allez, commencez pas à me dire pourquoi t'as rasé ta barbe. Je vais péter un plomb. Vous vous doutez bien que je l'ai pas rasé pour le plaisir. Vous vous doutez bien que je l'ai pas rasé pour le plaisir. Vous le comprenez, ça? Genre, par exemple, Supermarket Simulator, si vous vous subez maintenant, vous pouvez voir la rediff déjà maintenant. Par contre, si vous voulez la voir... Si vous voulez pas être sub et que vous voulez l'avoir plus tard gratuitement, vous pouvez, mais juste faut attendre un petit peu, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Soir rediff, elle est là. Tac. Je vous la mets. Tac. Vous pouvez vous abonner directement à la chaîne. Voilà. Ça, c'est la chaîne. Vous pouvez directement vous abonner dessus. Et bah du coup, régulièrement, je mettrai les rediffs entières. Il n'y aura pas de montage, hein. C'est vraiment rediff entière directement dessus. Et là déjà il y a les telles compagnies que j'ai mis dessus et petit à petit je mettrai les autres diffs. Et si vous voulez les voir plus vite, bah vous pouvez vous sub à la chaîne. Merci beaucoup Yuki. Voilà, Yuki 23, elle s'est sub à la chaîne. Elle s'est resub pour le 22e mois, elle peut voir les rediffs dès maintenant là. Elle peut maintenant. Tout de suite elle peut. Nouga c'est pareil, 11e mois, elle peut regarder les rediffs maintenant. Sinon vous avez juste à attendre un petit peu et ça arrivera gratuitement sur YouTube. En fait, là, normalement, il devrait y avoir déjà Supermarket Simulator. Sauf que il y avait des musiques au début et j'avais fait un mauvais réglage. Et du coup, je me suis un peu douillé là. Du coup, il faut attendre un petit peu, ça arrivera demain, je pense. Je vais le upload maintenant. Je vais essayer de le upload maintenant. Mais j'ai pas d'argent. Mais il n'y a aucun problème. Si tu n'as pas d'argent pour sub, il n'y a aucun souci. Juste attends un petit peu et les rediffs arriveront. Si vous n'avez pas de quoi vous sub, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez juste à attendre et ça arrivera dans quelques jours. Sur YouTube. Ouais, j'allais me taper un copyright, c'est relou. C'est relou. Dites-vous que j'ai même pas encore la monétisation sur la chaîne Rediff. Je n'ai même pas encore la monétisation. J'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de vues. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça arrivera petit à petit. Mais ça arrivera. Je suis en train de la mettre en upload. Comme ça, je peux peut-être la mettre ce soir. Je suis pas sûr, mais je vais essayer. Hop. Donc aujourd'hui je peux live jusqu'à à peu près 20h. Et à 20h il faudra que je décale. En vrai j'enchaîne tellement en ce moment, c'est assez compliqué. Bah en fait entre le bac que je suis en train de réviser, là ma prof de maths m'a mis masse DM. Donc j'ai tout le week-end je dois taffer là. Et en plus j'ai mon boulot étudiant ce week-end à gérer. Il faut que je gère ma meuf et tout, c'est compliqué. On doit aller aux arcades demain. Et j'aimerais bien conclure avec elle, donc vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Et il y en a un, il a dit brevet, je vais canner. Il y en a un, il a dit brevet le bâtard. Il a dit brevet ce chien. Oh, laisse-moi le bac au moins. Laisse-moi le bac. Au moins, laisse-moi le bac. Supermarket Simulator. Rediff Sora. Hop. Tac. J'ai toujours pas la monétisation. Abonnez-vous. Pitié. Abonnez-vous. Pitié. Voilà. Hop. Je suis en train de préparer la rediff. J'arrive tout de suite.
Sora live. Ok, tac. Supermarket. Ah, c'est Supermarket Cashier Simulator, ça s'appelle. Je savais même pas. Ok. Non, elle est pas conçue pour les enfants. Hop. Et bah top. Hop. Et voilà. Et elle s'enregistre et elle est en traitement et on verra quand est-ce qu'elle se upload. On verra quand est-ce qu'elle se upload. Bref. Bon. Oui, j'ai le brevet, j'ai le brevet. Ça se voit quand même. Cacahuète, merci beaucoup Cacahuète. Merci Cacahuète. Oh, petite info avant de commencer. Petite... Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Petite info. Petite info avant de commencer le live. Le samedi 9 mars. C'est bien un samedi, hein. Oui, donc bah, en fait samedi là. Samedi. Samedi qui arrive là. Écoutez-moi bien. Samedi qui arrive là. Samedi qui arrive. Sur le site d'Ayami. Il y a ces t-shirts là, ce t-shirt là qui sort. Également le porte-clés. Le porte-clés, vous le connaissez. Hop. Le porte-clés comme ça là. Enfin lui, le plus gros. Lui il est tout petit, il était trop petit et on l'a grossi. Il y a ça qui sort, le petit porte-clés. Il y a le t-shirt avec la fleur blanche. Et je sais pas si j'ai le t-shirt avec la fleur rose. Je crois pas. Non, je l'ai pas ici. Je l'ai pas encore. Donc le t-shirt blanc avec la fleur rose arrive aussi. Donc voilà, ce sera samedi. Donc si jamais, samedi, soyez prêts. Voilà. J'espère que vous kifferez. J'espère que vous serez plein à vous le procurer. Parce que vraiment, je les ai trouvés cool. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient moins chers. Par exemple, les t-shirts de base qu'on avait. Donc c'est le t-shirt de base qui est celui-là. Avec de la broderie ici. Là, il y a un petit détail là aussi. Il y a de la sérigraphie derrière. Il y a encore de la broderie là. Encore de la broderie ici. Enfin, il y avait beaucoup de travail sur ce t-shirt-là. Et il était à 34,90. Ok. Certains m'ont dit qu'ils voulaient acheter un t-shirt, mais que c'était un peu trop cher pour eux. Du coup, on a essayé de faire un t-shirt plus simple. Donc, c'est vraiment le basique, où tu peux le mettre pour tes outfits, tu peux le mettre pour ce que tu veux. Et il est un peu moins cher, parce qu'il coûte 29,90. Voilà. Donc, eux coûtaient 34,90. Là, il coûte 29,90. Je pourrais pas toujours faire ça, parce que moi, je veux faire des produits vraiment de qualité. Et en vrai, je vous l'ai déjà dit, les pulls vont augmenter de prix pour le prochain pull, puisque les prochains pulls qui vont sortir pour mi-avril auront une autre coupe, une meilleure coupe, une coupe qui est incroyable, auront beaucoup de travail dessus, et du coup forcément je vais devoir augmenter un petit peu les prix, mais si je peux le faire, si je peux un petit peu baisser les prix, je le fais, et du coup ce t-shirt là, c'est un t-shirt vraiment basique, et sera moins cher. Non, je peux pas me dire qu'un t-shirt à 29,90 c'est cher, c'est pas possible. Un bon t-shirt, c'est pas cher. Ça, tout le monde peut pas se le permettre, mais c'est pas cher. Ce sera samedi, je pense, sera samedi à 10h, je pense que ce sera samedi à 10h. Ok, bon, on y va. Sinon, on n'aura pas le temps de beaucoup jouer et j'ai vraiment envie de faire un magasin tard les fous, en fait, hein, concrètement. Hop. Allez, alors, je vais faire... C'est ma première journée de stage. Merci beaucoup, Tigresse, pour le sub. Merci beaucoup. Je vais mettre première journée de stage. Je vais changer le titre. Puisque j'ai une gueule de gamin de 16 ans. Premier jour de stage au supermarché. Et voilà. Tac. Ah, je suis content. Aujourd'hui, les potes, il y a Sora qui m'a proposé de faire un jour de stage dans son magasin, le Chris Market. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais effectuer ma première journée de stage. Mon stage de troisième, bien évidemment. Bien évidemment, mon stage de troisième. On est où là? Évidemment, mon stage de troisième. Continuez. Et voilà. Hop là. Ah, donc c'est ici le Chris Market. C'est ici le Chris Market. Ah, je l'avais vu en vidéo, mais je l'avais pas vu en vrai. Tu nais demain carrément. Je vais péter un plomb là. Ça va. Là, il y a des bannes qui vont partir là. On rigole, mais on se calme un peu quand même. Ok. En première journée de stage, il m'a donné des missions. Il faut faire grandir l'entreprise. Il m'a dit, plus tu fais du bénéfice, plus t'auras pas d'argent puisque je te paye pas, mais t'auras plein de gâteaux et des genres de trucs. Et moi, ça me va très bien en vrai. S'il m'achète des gâteaux, Cédric Grolet,
En vrai, moi, je suis hella bien, donc c'est ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va voir déjà un petit peu comment ça se passe, comment ça se tient là. On a 5$ sur le compte. Bah, on va pas faire grand-chose finalement. On va pas faire grand-chose, on a 5$, c'est la merde. 5$, ça pue sa mère. 5$, c'est nul. 5$, c'est on achète rien en fait avec 5$. À la limite, on peut acheter un kebab et encore, pas à New York. Alors, vu le prix des jus d'orange, le kebab oublie. Hein. Et bah écoutez, on va ouvrir. Hop! C'est ouvert! Première journée de stage au Chris Market! Première journée de stage! Hop, il y a des pick-up maintenant, il n'y a plus les Ferrari. Ça a changé. Bah là, l'inflation. Hein. L'inflation du quartier, ça fait que tout le monde est parti. Ah si, les féfés sont de retour. Les féfés sont de retour. Bah, les féfés sont de retour. Par contre, les fifilles, il n'y en a pas. Hein. Les gagas, pareil non plus, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne qui vient dans mon magasin. Il y a zéro client. Il y a zéro client. Moi, j'ai un rapport de stage à faire, hein, si jamais. Hein. J'ai un rapport de stage à faire. Monsieur, vous êtes mon premier client. Écoutez-moi bien. J'ai un rapport de stage à donner. J'ai des missions, moi. J'ai des missions. Si vous pouvez me régaler. Ça, c'est pas de la régalade, ça. Ça, c'est un truc de con, ça. Ça, c'est nul. Si je peux me permettre, c'est vraiment... C'est rené de fou, ça. Le prochain qui me ramène... Mais attends, t'es de retour, toi. Mais il y en a deux. Mais attends, mais je vais perdre la tête, par contre. Je vais perdre la tête. J'ai les deux sœurs. À tout moment, on réalise un fantasme. Oh là là, je vais avoir des problèmes. Ok, c'est une vanne. C'est une vanne. On rigole, c'est une vanne. En plus, je fais une vanne comme ça, on dirait que j'ai 15 ans. Ça n'a aucun sens. Oh waouh, elle m'a régalé, elle. 29. Oh mais attends, mais il y en a une troisième. Mais attends. Mais hé, hey, je rigole même plus, il y en a une troisième. Il y en a une troisième. Mais là, c'est le paradis, hein. C'est le paradis. Oubliez le stage. Oubliez le rapport de stage. J'ai pas trouvé de beurre de cacahuètes. Bah, je les ai pas encore en vente. Ça sort samedi à 10h. Hop. Les Navivas, tac. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est un... En fait, moi, ici, c'est un magasin spécial influenceur. En fait, j'ai que des influenceurs qui viennent. Regardez, elle, là. C'est clairement... Bah, une meuf fatiguée de fou, hein. Elle est fatiguée, hein. Elle est fatiguée, mais 40$, évidemment que je les prends. Elle est fatiguée, hein. Pourquoi il fait déjà nuit, là? 6h. Pourquoi il fait déjà nuit? Mais attends, le temps passe à toute vitesse quand on s'amuse, hein. Hop, on allume la lumière. Hop, là, il y a... Hop, tac, tac, tac. Tu me fais vraiment penser à quelqu'un, c'est dingue, hein. Julien Lepers, peut-être un petit peu, peut-être. Je viens de lui donner 20$ comme un enculé. Pardon, je suis devenu vulgaire. Je viens de lui donner 20$ alors que je devais lui rendre 20 centimes, là? Mais... Je vais serrer, là. Je vais serrer. Tu m'étonnes, je vais me faire virer, hein. Un jour de stage, bah c'est tout, un seul jour de stage, hein. Un seul jour de stage, après le reste, c'est ciao. Un seul jour de stage, y aura pas plus, hein. Y aura pas plus. S'il te plaît, régale-moi, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs, là. Oh! Alors toi, le panier, ça consomme, hein. Toi, ça consomme! 52$. 7,93. Toi, ça consomme, hein. Oh là là! Pardon, mais excusez-moi, madame, mais vous êtes... C'est un régal. Un régal. Vous faites tourner l'économie du quartier, et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à Loxys pour le sub. Merci beaucoup. Hop, une quatrième, c'est la même. Une quatrième. Elle, c'est mes préférés. C'est mes préférés, je les collectionne, en vrai. Je les collectionne. 22,85$. Alors que t'avais 50$. Bon, on va te les rendre en pièces de 1 centime. Tu sais, tu veux faire perdre du temps aux gens, toi. Bah regarde, c'est qui qui perd le plus de temps là? C'est long et chiant. La vanne était marrante au début, mais c'est long et chiant. C'est hyper long et c'est hyper chiant. Hop. Tac, tac. Voilà, ça te fait quand même... Allez, tenez madame, passez une très bonne journée. Hop, 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 elle aussi elle est fatiguée, mais c'est pas grave. Fin de journée, je comprends. Hop, grosse journée de taf, madame. Hein.
En vrai, hein, on comprend. Toi, hop, il fait plaisir lui aussi. Hop, le petit sucre. 26-30. C'est 26-30. Tac, tac, tac. Toi, oh, tu te fous vraiment de ma gueule, toi. Tu mériterais que... Ah, bah, heureusement que j'ai pas de meule à te rendre. Toi, par contre, tu m'as régalé, toi. 42$. Toi, t'es un boss. Toi, t'es un boss. T'es un boss. Hop. Tac, tac. Voilà, hop. Merci beaucoup, monsieur Juju. Merci beaucoup, monsieur Juju, pour le 11e mois d'abonnement. À quand les cheveux roses? Écoute, déjà, laisse-moi récupérer ma barbe. Et ensuite, on verra pour les cheveux, d'accord? Moins 381$, d'accord, donc c'est comme ça qu'on commence. Donc mon premier jour de stage, je suis déjà à moins 380$. Ok, cool, 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 cool. Cool, 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 bah top, 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 en tout cas. C'est cool. Ça donne envie, c'est bien ça. Niveau des prix, on en est où là? 2,51 l'eau? Mais attends, mais c'est la chute de la société là, on est foutu. Mais c'est une dinguerie. Mais tout a... Non, ça c'est parce que moi j'ai gonflé les prix, c'est ma faute. Ok. Il va falloir qu'on achète des trucs, Déjà on va payer les factures, vous connaissez le basique, voilà, on paye les factures, tac, tac. Le prêt à la banque, on le paye. Hop, 37,50$. Le seul truc qui était pas prêt, c'était moi, y a pas de prêt, moi je suis pas prêt pour ce genre de choses. Hop, marché. Là il faut qu'on achète des trucs. Tout à l'heure, les gens se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de beurre de cacahuète. Il n'y a pas de problème. Beurre de cacahuète, je sais même pas le dire. On en achète. On achète deux. Farine. On achète deux. Huile d'olive. On achète deux. Sel. On achète deux. Des pâtes. Il nous faut des pâtes. Des pâtes. On achète deux. Comté. Il nous faut du 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 comté. On achète deux. Ok. Du café. Du café de con là. Du café. Hop. Du café. Du café, du café, du café, du café. Il est où le café? Il est où le café? Il est là le café. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher le café. Ça se fait rare maintenant. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau. On n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. En même temps, l'eau, ça vient de baisser de prix. Est-ce que c'est intéressant? Allez, on le fait parce que vraiment, c'est pour vous. Hop. On achète tout ça et on met tout ça en vente. Hop, alors ça c'est les pâtes. Ok. Hop, encore des pâtes. Voilà, ça paraît mieux rempli comme ça, tac. Beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, on peut le mettre où? Le beurre de cacahuète, on va le mettre à côté du pain de mie. Ça paraît logique. Hop. Encore du beurre de cacahuète, peut-être que ça fait beaucoup là. C'est même chiant de zinzin là, en fait. Et ben on va le mettre là. On va le mettre là. J'ai mal géré mon organisation et ça va me stresser, je suis un mec hyper maniaque. Ça c'est quoi? C'est du sel. À côté du sucre le sel en vrai. Peut-être qu'il faudrait que je réorganise mes trucs. Peut-être qu'il faudrait que je réorganise mes trucs. Le sel on va le mettre là. Ok. Ensuite... Je crois que j'avais deux fois du sel, non? Ah ouais, j'ai deux fois du sel. Bah là. C'est du sel? La baleine. Oh là là, oh les bâtards. Oh, les bâtards. Mais moi, j'aurais même pas osé faire la vanne. Mais vous êtes malade. Mais ça, en 2024, mais vous voulez que... Mais vous voulez que je canne? Mais en 2024, mais vous voulez que je fasse cancel? Les baleines, les bâtards, ils ont mis une meuf grosse? Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je suis contre tout ça, moi. Oubliez-moi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Ils en ont eu rien à foutre. Ils en ont rien eu à foutre. Ils en ont rien eu à foutre. Ils sont en roue libre, les développeurs. Écoutez-moi bien, ils sont en roue libre. Il faut réorganiser là. Là, c'est le bordel, là, tout ça. Là, ça n'a aucun sens. Nos rayons n'ont aucun sens. Nos rayons n'ont aucun sens. C'est pas grave. Écoutez, c'est un début. On va ouvrir. Ok. Là, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va récupérer masse argent. Et demain, on réorganise un peu les choses. Genre l'huile, là, on va la réorganiser. On va la mettre là. Le pain de mie, on va en remettre. Ça, faut que ça dégage, ça. Il faut qu'on vire des étages. Le sucre, pareil, le sucre, on a déconné. En vrai, le sucre, on a déconné. Ah, le sel, ça a du succès. Le sel, ça a du succès.
Les prix. Oh merde, les prix! Le con! Il a pris. Attends, il a pris mon. Attends, il a pris mon sel gratuitement, ce chien? Il a pris du sucre gratuitement? Du sel gratuitement? Attends, 2,30. Heureusement vous m'avez parlé du prix, parce que moi j'étais en. Moi y a pas de problème. Moi j'offrais au quartier. Hein. J'offre au quartier. Hein. Hop. J'offrais au quartier sans aucun problème, manifestement. 5,68. Ce sera 5,80. 5,90. Hop là. Attends. On est d'accord que là, il les paye quand même, ces selles de con. Non. Il les paye pas. Il les paye pas à mon prix. Je vais péter un plomb. Je lui ai offert du sel. Je t'ai offert du sel. Ah bah là, c'est l'addition qui est salée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La chim. 7$. Le beurre de cacahuète. Ils sont en train de me payer mon beurre de cacahuète que j'ai mis gratuit là. Je l'ai mis gratuit, bah oui, forcément. Oh, il y en a 4 qui sont partis à. Je vais péter un plomb. Je fais de la D là. T'as acheté du beurre de cacahuète toi ou pas? Bah oui, t'en as acheté, bah oui, forcément t'en as acheté, bah oui. Bah oui, là c'est cadeau là. Là c'est moi qui régale, hein, c'est cadeau. Y'a pas de problème, c'est cadeau. Y'a pas de soucis. Paquet de pâtes, toi t'as été honnête. Ok. 24,80. 19, ok, 30 centimes. Lui va me régaler. Lui, je vous l'annonce, lui il me régale. Deuxième paquet de Chucky Pic, toi t'aimes les Chucky Pic, toi. Hein. Toi ça consomme les Chucky Pic, toi. Lui, aussi ça consomme. Lui va me régaler. Regardez-moi bien ce qu'il a posé sur la table. C'est un petit tronc. Bon, je suis un peu déçu. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus. Ok. Consommez les gars, consommez. Il faut vraiment que je me rattrape parce que j'ai fait de la D en fait. Là pour mon premier jour de stage, c'est la merde. Ouais, les pâtes, il faut que j'ai d'autres pâtes. Je vais finir la journée et après vous inquiétez pas, on va essayer de rentrer à tout ça. 44, ça c'est hop là, c'est de l'argent qui rentre, ça fait plaisir ça. Hop. Le sucre par contre, ils en ont plus rien à foutre. J'en ai acheté une tonne, ils en ont plus rien à foutre du sucre. Sel, c'est pas bon pour les artères le sel, hein, si je peux me permettre monsieur. Le sucre, ils en ont plus rien à foutre. Hein. C'est un flop. Oh, elle lui a niqué sa place. Oh, pardon. Elle lui a flingué sa place. Elle est passée devant. Ah, le sucre, mais tout le monde, mais personne cala mon sucre. Hein. Il y a Monsieur Burns là qui arrive. Hop. Tac tac. Huile d'olive. Le sucre il est bien au niveau du prix. Oh, le prix il est parfait le prix. On est à 20 centimes au-dessus, ça va. On est à 20 centimes au-dessus du prix du marché. Oh ça va hein. Huile d'olive ça kiffe beaucoup. Hein. Je vois huile d'olive, ils aiment bien. Oh là, ils m'ont dévalisé. J'ai plus rien. Ah écoutez, demain c'est le jour de restock. Demain c'est le jour de restock. Aujourd'hui en effet on se laisse un peu surpasser. Aujourd'hui on n'a pas grand chose, c'est demain. Demain on en aura des nouveaux trucs. Je peux pas acheter de caissier, c'est niveau 10. Je suis au niveau 8. Donc il faut attendre encore un petit peu de niveau. Mais baissez le prix du sucre. Vous voulez qu'on le mette à combien? On peut le mettre à 6,50, mais ça changera rien. Personne veut de mon sucre. Ce qui me rend très malheureux, je vous avoue. Mais bon, c'est une autre histoire, ça. Et non. Et le thé aussi, le thé de con, personne n'en veut du thé. Ça, je savais que ça allait être un flop. Le thé, personne n'en veut. Personne ne veut de mon thé. Super.
Avec des paniers de cons comme ça, on va pas aller très loin. Faut qu'on achète des trucs, Il nous manque quoi? Il nous manque de l'huile d'olive. On va en acheter un. Ensuite, il nous manque du pain de mie. On en a plus. On va en acheter un. Des pâtes. On va en acheter deux. Et on va acheter des pâtes aussi basiques. Hop, comme ça. Ensuite, les bouteilles d'eau. On n'a plus d'eau du tout. C'est la merde. On n'a plus d'eau. De l'eau, on peut en acheter deux. On n'a plus de comté. On n'a plus de lait. On n'a plus d'œuf. On n'a plus de comté. Donc, des comtés, on peut en prendre deux. Des œufs. On peut en prendre deux. Tenez, madame, je m'occupe de vous tout de suite. Très bien. Ensuite, des... Je peux vivre aussi ou pas? Ou c'est comment? Des chocs qui piquent. On peut en prendre deux. Me déranger pour ça en plus. 33,80. Non, t'abuses. Ok. Ensuite, il nous faut quoi? On n'a pas de riz? On n'a pas de riz. Le riz, on peut en prendre aussi. Le café, on peut en prendre du coup. Ça coûte un max, mais en vrai, ça rapporte. J'ai pris du lait ou pas? Est-ce que j'ai pris le lait ou pas? Ah, moi aussi, si on me fait perdre du temps pour des paniers de cons comme ça, là, ça, on va jamais y arriver. Hein. Oula, je me suis un peu emporté sur, sur la carte bleue. Ah, d'accord. Non, j'ai pas pris de lait. Ok, je vais le prendre. Le lait. Le lait. Hop. Ah, ça continue là. Mais ça continue là. Oh là là, hey. Mais ça continue en fait, hein. Ah, mais ça continue pour ça aussi. Oh, aidez-moi. Il travaille au FBI et l'autre, il me prend deux beurres de cacahuètes de con. Ah, voilà, voilà, merci madame. Merci madame. Enfin, un peu de reconnaissance. Ok. Ah mais je peux pas acheter plus de trucs en fait. D'accord. J'ai capté. Déjà, est-ce qu'on est en bénéf? On est en bénéf déjà. Le beurre cacahuète, il est plus cher, le beurre cacahuète. Il a monté. Parfait, ça m'arrange. 5,50. Ah, par contre, le sel de con, bah super. 1,86. Ah ouais, donc vraiment, le sel, ça n'a servi à rien quoi. Top. Ok, le sel, c'est vraiment, c'est nul. C'est nul. J'achète ça. Alors, oulala, qu'est-ce qui se passe là? De l'eau. Ok, hop. De l'huile d'olive. Hop, on va mieux ranger. On va mettre ça là. On va prendre ça. On va mettre ça ici. L'huile d'olive. Au même rayon, et on va prendre ça. Voilà. Ah, là, ça me stresse beaucoup moins. On va remettre du beurre de cacahuète ici. Voilà. De la farine. Il n'y en a plus? Ah, mais ils m'ont... Oh là, la farine, ils m'ont démonté la farine. Ok. Ensuite. Du pain de mie, à côté du beurre de cacahuète. Ok. Ensuite, les pâtes. Les pâtes, on va les mettre... ici. Et j'espère qu'on va être bénef parce que là, vu le nombre de trucs que j'ai acheté, des spaghettis. Ah, c'est spaghettis marque repère, d'accord, ok, j'ai capté. Faut pas que j'oublie les prix, Des pâtes encore ici. Ok. Des spaghettis encore là. Vous inquiétez pas, je mets les prix, j'oublie pas. Enfin, j'espère. De l'eau encore. Hop. Parfait, de l'eau on en a, et on en a encore en stock en plus. Ça c'est bon. Ensuite, du comté. Ok. Il me faut du lait, du coup. Voilà, il me faut du lait encore. Heureusement, on a beaucoup d'argent de côté là, donc on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir racheter des trucs. On va racheter de l'eau, parce que j'ai un deuxième frigo, donc on va pouvoir racheter de l'eau à une quantité. On va pouvoir racheter du lait. Du lait, on va en prendre 3. Des œufs. J'ai pas pris d'œufs. Si, on va prendre 3. Et on va déjà acheter ça.
Ah, il faut les choux qui piquent aussi, les choux qui piquent, bien vu. Les œufs, on les met tout en bas. Ok. Attendez, monsieur, excusez-moi, je travaille. Ok, encore des œufs. Très bien. Encore des œufs, puisqu'on a un troisième frigo qui régale. Je perds de l'argent avec le sucre, mais c'est trop tard. J'ai envie de vous dire, c'est trop tard. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, on peut pas. C'est trop tard, je peux pas le jeter, le sucre. Du lait. Merde. Ah, mais j'en ai plein. D'accord, il y en a plus sur les. Il y a deux rayons. D'accord, il y a, un, il y a deux rayons dans, par carton, ok. Ok, donc on le met là. Hop. Merci beaucoup, Quentin. Pour le 29e mois, merci beaucoup. Ah, c'est ouf, merci beaucoup. Bouteille d'eau. Hop. Voilà, on est bien. En vrai, là, ça va être bien rempli, hein. Ah, du lait, j'en ai pris masse, j'en ai pris beaucoup trop. J'en ai pris beaucoup trop. Par contre, ce qui me manque, c'est du compte, des comptes, du comté. Du comté et des chocs qui piquent. Alors, le comté, il nous en faut un seul. Des chocs qui piquent, il nous en faut deux. Ouais. Faudrait que je trie un peu mieux à l'avenir. Et du riz aussi, il nous faut du riz. On n'a pas de riz. On n'a pas de riz, on n'a plus de café aussi. Oh là là, il y a trop de trucs là, trop de trucs. On n'a pas de riz et on n'a pas de café. Et bah c'est trop, en fait, on n'a pas d'argent, déjà. Ok, hop. Et bah j'espère vraiment que ça va être rentable. Hein. J'espère vraiment que ça va être rentable. On va mettre... le café, on va le mettre là. J'attends que ça, ça dégage, et le café, on va le mettre ici. On a du riz, le riz, on le met là. Avec les pâtes. Hop. Vous inquiétez pas, j'oublie pas le prix, j'oublie pas les prix. Voilà, hop, on se fait plaisir avec le riz. Choc qui pique, bah choc qui pique, je suis con, choc qui pique sera là. Ok. Et ensuite, le comté. Ici. Le frigo il est rempli. En vrai là on est bien de zinzin. Non, on est bien de zinzin, excusez-moi. Ils vont venir à l'épicerie, ils vont faire oh mais c'est une super épicerie ça. Ils vont réagir comme ça. C'est évident. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on met les prix. Parce que sinon comme un con. Oh là là là. Oh, pardon mais la marque repère, mais elle, pourquoi elle coûte une blinde? Eh, c'est la marque repère et elle coûte trois fois le prix des pâtes normales. Je comprends pas. Je mets à 8. Le riz. Combien le riz? 6. Oh là, je mets à 7. Ensuite, combien... qu'est-ce qui me manque? Bah c'est bon en fait, j'ai tout. J'ai tout je crois. C'est bon, j'ai mis tous les prix, parfait. Le prix est en négatif sur le sucre, mais pas du tout, regardez, 6,51, je suis à 6. Je suis en dessous du prix du marché. Je suis 1 centime moins cher. C'est dingue. C'est cher, mais c'est vous qui achetez? C'est vous qui venez au Chris Market? Est-ce que c'est vous qui venez au Chris Market? Non! Alors vous plaignez pas des prix! Les factures, on n'a plus d'argent pour les factures. On payera les factures plus tard. On n'a pas l'argent pour les factures. Ah, c'est pas grave. On dira aux impôts, oh, on n'a pas eu le temps. C'est ouvert, de toute façon c'est ouvert, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est ouvert. Il se passe bien ce stage? Écoutez, pour l'instant, mon stage de 3ème se passe très très bien. Je pense que je suis en train de relever le Chris Market à un niveau jamais atteint. Regardez, monsieur arrive avec un panier de zinzin, deux farines ce con. Il me prend deux farines. Deux farines. C'est nul. C'est nul. En fait, c'est super nul. C'est super nul, donc revenez plus monsieur. C'est nul. C'est hyper nul. Non, non, mais... Vous inquiétez pas, j'ai acheté des pâtes. J'ai acheté plein de nouveaux produits. Là, les gens, ils vont se régaler. Lui, il s'est même pas arrêté. Il s'est même pas arrêté. Il ne s'est même pas arrêté. Allez, allez, j'ai plein de nouveaux articles. Faites-vous plaisir. C'est quoi ça? Il prend deux trucs. Oh, si, c'est bien ça, c'est bien. Petit panier à 30 balles, ça fait plaisir. Régalez-vous, s'il vous plaît, régalez-vous un peu. Régalez-vous. C'est un peu mieux déjà ça, c'est un peu mieux, voilà, c'est un peu mieux.
Et voilà, et j'ai oublié de lui rendre un centime, c'est pas grave. Oh, alors lui ? Alors lui ? 51 ? Toi, t'es un boss, toi. Toi, t'es de la team Crouton, toi, si je dis pas de bêtises. Toi, t'es un boss, toi, en rapport avec leur musique. Toi, t'es un boss. Hop là. Allez, monsieur, regardez, je saute de joie. Je saute de joie. À chaque fois que vous achetez un truc, je saute. Hop, achetez encore un truc. D'accord, il a voulu que j'arrête de sauter. Ah, je vous retrouve, vous, madame. Je vous retrouve. Bah, super. Bah, j'aurais préféré ne pas vous retrouver, si je peux me permettre. Alors que lui, le boss. Lui, le boss, 43. Hop. Déjà, on a 202. Franchement, on est bien. La farine, elle a bientôt dégagé. Ça, c'est parfait. Comme ça, j'en mets ici. Et on est bien. Juste deux petits trucs de farine. Là, on va remettre le thé. On le mettra là. Enfin, le café, on le mettra ici plutôt. Quand une fois que le thé sera parti. Mais le thé ne part jamais. Parce que tout le monde n'a rien à foutre de mon thé. Voilà. Super. Un thé. Personne ne prend mon thé. Personne n'est intéressé par mon thé. Et je dis ça, tout le monde prend du thé quand je dis ça. C'est vraiment pour me faire mentir là. Mais oh, c'est vraiment pour me faire mentir là. Je dis personne veut du thé, tout le monde l'achète. Bah personne veut de mon magasin. Personne veut de mon magasin. Oh, personne veut de mon sucre. Je répète, personne ne veut de mon sucre. Oh, tu m'as régalé. Oh, mais t'es mon meilleur score, toi, je crois. Tu es mon meilleur score, toi. 59$, on est bien. Oh là. Personne veut de mon sucre. C'est trop chiant. Personne veut de mon sucre. Personne ne veut de mon sucre. Personne ne veut de mon sucre. Personne ne veut de mon sucre. Ah, c'est réel, personne veut de mon sucre, hein. Vraiment personne. Vraiment personne n'est intéressé par le sucre. Personne, vraiment. J'ai pris un stock faramineux de sucre et personne ne le cala. Super. Regardez-moi ça, le flop. Je suis abattu. Comment ça la farine? Comment ça? Elle a pas trouvé de farine qu'il lui fallait. Elle a pas trouvé la bonne farine, genre. Bah écoutez, je vais baisser le sucre. Hein. Je vais baisser le sucre parce qu'il faut bien qu'il parte à un moment. Hein. À un moment, voilà, je le mets à moins cher que le prix du marché. S'il vous plaît, achetez-en, pitié quoi. Je vais pas vous payer pour que vous preniez mon sucre. On va pas en arriver là quand même. On est à 490. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Hein. Je vais remettre du lait. Je vais remettre des bouteilles d'eau. Ah non, ok. Si quelqu'un a pris mon eau, voilà. De l'huile. Est-ce que je peux remettre de l'huile? Je peux remettre de l'huile. Ok, hop. Je peux remettre l'autre huile. Hop. Bien sûr que je peux. Mon huile verte, là, elle est vachement plus appréciée que mon autre huile de con, là. T'as pris du sucre? Non, toujours pas. Hein. Je fais une promotion de zinzin sur le sucre et personne cala. On en arrive là quoi. Je suis abattu. 60, il faut que je lui rende 62,50. Mais pardon. Mais vous voulez que je le mette gratuit mon sucre en fait? Vous voulez gratuit et que je vende une partie de mon âme en même temps? Ah, je lâche l'affaire. Hein. J'abandonne. Hein. J'ai bien compris qu'il partira pas. Hein. Par contre, en termes de journée de bénéfices, on est des rois là.
On va bientôt attendre 700. Je crois qu'on a jamais fait 700 en une seule soirée. Là, on est des rois, écoutez-moi bien. On a très très bien joué notre truc. On a très très bien joué. C'est là mon premier jour de stage. Ah, oh, du sucre! Non mais non, frère, par contre, pitié. Dis-moi si tu veux me pisser dessus directement, en vrai. Ah, ça c'est un bon client, ça. Je trouve que les meufs sont plus généreux que les gars, tu vois. Les meufs sont plus généreux. Ah, lui, il me prend un panier de cons. Et les meufs... Non mais oh, c'est bon! Je trouve que les gars, ils abusent. Voilà, que des paniers de cons. Que des paniers de cons. Alors que les meufs, elles me font des vrais paniers. On va atteindre 800$ de... Merci beaucoup Nixtoff pour le sub, merci beaucoup, bienvenue. On va attendre 800$, 800$ de bénéf, c'est magnifique. Elle, qu'est-ce que je disais? Les meufs, regardez le panier qu'elle va me mettre. Voilà, ça c'est une cliente, ça c'est une cliente. C'est une cliente, c'est bien. Allez, on passe la journée. Regardez-moi les bénéfs. Regardez-moi le bénéf. Sucre en poudre, il monte le prix. Mais c'est parfait. Le sucre en poudre buzz en ce moment. Oh là 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 là, pitié. Mais pitié, quel poulet. Mais quel poulet. Mais quel poulet. Et le sucre, c'était quoi qui a monté? Merde, c'était le sucre et quoi qui a monté? Merde, j'ai raté le truc. Je vais faire les factures, mais c'est quoi qui a augmenté de prix? C'était le pain de mie? Je le vois dans les commandes, ok. J'ai compris les factures! Pourquoi vous me spammez dans le chat? Mais vous faites partie de l'URSSAF? Vous êtes contrôleurs fiscaux? Je vais les payer les factures! Mais c'est dingue, mais j'ai que des comptables dans le chat. Mais vous me dites si vous voulez faire ma compta en fait. Vous me dites. Oh, des huissiers. J'ai des huissiers de justice. Ok. Agrandir, je peux agrandir encore? Ouais, mais sinon, pas encore. Marché. Alors là déjà on va remettre. Non, on va pas encore agrandir le magasin, pas pour l'instant. On va remettre des produits et après on se fait plaisir. Pour l'instant c'est trop tôt pour agrandir encore. Par contre une étagère en plus ici là, ouais une petite étagère en plus je dis pas non. Une petite étagère en plus là, une étagère simple hein. Ah je peux pas une étagère simple? Ok, et bah une étagère normale alors. On prend une étagère normale. Ok. Hop là. Et là du coup on en a 4 et là c'est parfait parce que là du coup on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça, ensuite ça, et on les colle ensemble. Voilà, ça c'est magnifique ça. Oh, on va vraiment avoir l'impression que, oh le Chris Market, l'évolution du Chris Market. Là on passe de Salamèche à Reptincelle. Là on passe au rang 2. Voilà, là on a un magasin. Là c'est un vrai magasin, voilà. Et ça, on le met là-bas. Hop. Ah non, là je suis désolé, mais mon magasin... Alors là, je peux vous dire que alors là, on en a vu des magasins qui slayent, hein. Mais alors là, ça c'est du vrai slay, ça. Ça c'est du vrai... Tu fais quoi, là? Ça c'est du vrai slay. Hop, voilà. Attends. C'est encore trop loin. Faut quand même laisser au client le... Non, il slay pas. Toi, tu veux te faire ban, toi, Lilian. Tu veux te faire ban? C'est ça que tu veux. T'as envie de te faire ban. Et je comprends que t'aies envie. Sora, attention, tu as des frais de livraison. À chaque commande, prends plus de produits par commande. Très bien. Ça, je savais pas, tu vois, par exemple. Bah, c'est magnifique ce que tu viens de me dire. Il faut maintenant qu'il va falloir commencer un petit peu... structurer un peu plus notre magasin. Il faudrait genre un truc petit déjeuner. Genre pain de mie. On va acheter du pain de mie. Du pain de mie, il nous en faut. On va essayer de restructurer un petit peu plus le magasin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Pain de mie, il nous en faut. On en prend 2. Merci beaucoup Lily pour le sub. Merci beaucoup.
Donc le pain de mie, on va faire un rayon petit déjeuner, pain de mie sera ici. Il nous faut du beurre de cacahuète. Pour le petit déjeuner, hop, beurre de cacahuète. Des céréales, on n'a plus de céréales. On n'a plus de céréales, c'est parfait. Des céréales, hop. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Du café le matin, on veut du café le matin. On veut du café le matin, hop, du café le matin. Tac. Et on va acheter tout ça déjà. Ok. Donc tac, ça c'est les céréales. Les céréales, on les met là. Hop. Beurre de cacahuète, ici. Non, ça va pour l'instant, j'ai pas de truc que je peux mettre. Ouais, je sais que j'ai un stock, mais j'ai que des bouteilles d'eau, etc. J'ai rien de spécial. À part peut-être ce beurre de cacahuète que j'aurais pu en effet placer et que je n'ai pas fait. Voilà, parce que je suis con en fait. Hop, des chocs qui piquent, encore. Chocs qui piquent, ça fonctionne bien les chocs qui piquent, hein. Ça fonctionne bien les chocs qui piquent. Et non, je peux pas restructurer. Ouais, les boîtes ne correspondent pas à la taille. Si j'achète pas de... d'huile, je peux pas redéplacer l'huile en fait. Ça, c'est dommage ça. Ok. Ensuite, beurre de cacahuète. On va le mettre là pour l'instant. Il nous faut du pain de mie. Pain de mie à côté, c'est parfait. Pain de mie à côté, c'est parfait. Le café. Juste ici, le café. C'est magnifique. Oh, je suis très fier de ce rayon. Je suis très très fier de ce rayon. Le café juste ici, c'est parfait. Et on va refaire un petit truc de pain de mie là. Et du beurre de cacahuète juste à droite. Hop. Franchement, c'est le rayon petit déjeuner, c'est bien, en vrai c'est bien. Je suis vraiment content au premier degré. Ah, vous voulez dire que je garde les cartons? Je peux garder un carton de trucs de con là. Par produit, mais en fait il faudrait que je déverrouille ça en fait. Il faudrait que je déverrouille le stockage en fait. Pour l'instant je l'ai pas. Ok, donc là le rayon petit déjeuner, alors par contre, excusez-moi, mais là le seul truc que j'aurais dû faire c'est mettre le pain de mie ici et le beurre de cacahuète là. Il faudrait que je fasse ça parce que c'est chiant. C'est dommage. C'est le seul truc où je regrette un petit peu. Les bouteilles d'eau, on va en remettre. Voilà, c'est parfait. On est au max. Ok, ensuite le lait. Le lait. Tac, le lait, on est bon. Avec le lait, hop. Ok. L'huile d'olive, est-ce qu'on en a encore besoin? Ouais, personne n'a acheté mon huile. Vraiment, tout le monde en a eu rien à foutre de mon huile. C'est pas grave. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le rayon petit déjeuner. Très bien. Ici, ce serait bien le rayon genre tout ce qui est condiments. Genre sucre, sel, poivre. Bah du coup, l'huile aussi, du coup. Mais le sucre, vraiment, je vais me foutre en l'air. Ouais, farine aussi, farine. Mais là, le sucre, j'ai déconné. Vraiment, j'ai abusé. J'ai déconné du bail. Farine, on va en mettre... hop, une là. Et une là. Ok. Farine, ce sera là. Ici, ce sera tout ce qui est féculent. Le thé, faut qu'on le dégage. Le thé, faudra qu'on le bouge. Et le thé, on le mettra... on le mettra à côté du café. Quand il n'y aura plus de... Quand on aura plus de café, on mettra du thé ici. Même si mon thé, personne n'en veut, donc je sais pas si vraiment on en rachètera finalement. Non. Pain de mie là, il faut qu'il dégage. Donc de la farine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors en vrai, pour l'instant, on peut s'arrêter peut-être là. Hein. Ouais, peut-être. Là, en vrai, ce serait pas mal. Là, pâte. Ouais, pâte, il nous faut du pâte, il nous faut du riz. Pâte, hop, riz, hop, pâte encore, hop, là je suis bien en vrai, hein. J'ai un petit rayon féculent, c'est pas mal, hein. Hop, j'arrive pas à croire que je suis autant, autant investi dans un jeu où je fais juste mon magasin, où je fais un super, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que je suis autant investi dans un jeu de simulateur de d'épicerie? Je sais toujours pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je pensais pas être autant investi. La farine, on la met là.
Il est addictif de zinzin, je ne sais pas pourquoi. Hein. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Je ne l'explique pas. Genre, je ne l'explique pas. Et pour l'instant, on va mettre ça là. Non, j'ai la flemme de garder les cartons, ça me saoule. Tant que j'aurai pas la salle de stockage, je vais les foutre là-dedans, c'est très bien. Ok, les prix. Mais je sais pas pourquoi les gens me spamment le prix, les gars. Le prix, c'est bon. Ah, prix du pain. Le prix du pain, il est à 4,44. Tous les prix sont bons. Hein. Adeline qui me dit parce que tu joues à la marchande, on a tous aimé faire ça quand on était petit. Ouais, quand on était petit, j'avais, c'est vrai que j'avais mon petit magasin quand on était petit, quoi. C'est vrai que j'avais mon petit magasin, quoi. Bah, on a plus d'argent, donc stop. On ouvre. Monsieur, ça vient d'ouvrir. J'avais une crampe, c'est pas grave. Madame, vous, je vous ai senti venir. Vous êtes élancé dans un pas décidé. J'avais compris que vous veniez. J'avais compris. Regardez mon super nouveau rayon petit déjeuner. Faites-vous plaisir. Des chocs qui piquent, prenez. Du café peut-être, non madame. Ah, plus sur les comptes. Ah non, peut-être plus sur les frigos. Du comté. On a une super promotion avec le comté en ce moment. Il est plus cher que d'habitude. Non? Très bien, bah je vais pas vous forcer de toute façon. En vrai, même si je pouvais, je le ferais pas. Hein, de fou là, avec un flingue dans la tempe là. 34,70, hop. Merci madame. Prix de la farine, il est là le prix de la farine. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais oh, les Einstein là, vous êtes fous quoi là? Laissez-moi mes prix tranquilles. Ok. Alors, excusez-moi. Mais ça se bouscule dans mon magasin. Ça se bouscule. 45. On enchaîne. Hop, le panier moyen qui est plus haut maintenant. À part pour lui, finalement. Lui me fait juste perdre mon temps. Lui, hop, un petit 37 balles. 2,38. Hop. Et tac. Voilà. Carte bleue, très bien. Je prends la carte bleue, hop. Le sucre, c'est... Mais je suis abattu. Mais virez-moi le sucre, mais pitié! Mais je vais pas vous supplier quand même! Virez-moi ce sucre de con! Et je l'ai baissé! Mais il est à 7,80! Bah je vais le baisser encore! Bah je vais le mettre à 7,60! Voilà, je le mets à 7,60. Ah tu sais quoi? Eh, je vais même le mettre à 7. Parce que si tu vraiment, il me fait pitié, je veux plus voir le sucre. J'en achète plus. C'est terminé? J'en achète plus. Achetez du sucre, pitié. Et regardez, ils vont dans le rayon, ils n'achètent pas du sucre. Du sucre? Mais non, pas du sucre. Du comté. C'est le pire fromage. C'est vraiment, il est dégueulasse ce fromage. Personne, vraiment, qui aime le comté? Qui aime le comté? Personne. Vraiment, personne n'aime le comté. Non, c'est vraiment un fromage de con, hein. Vraiment le comté. Ah, oh, du sucre! Alors vous, madame, Nicole Kidman, là. Hop là, 28,80. Ok. Mais vraiment, je vais commencer une dépression. Si on n'achète pas mon sucre, je vais commencer une dépression. Il m'a acheté... Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, monsieur. Vous méritez... Déjà, vous avez la tête du méchant dans Wish. Et ensuite, vous méritez d'être sur ce petit tableau-là et d'avoir écrit... Je vais pas dire ce que je pense, monsieur. Mais vraiment, croyez-moi, j'en pense beaucoup. Oh, lui m'a régalé. Hop, un petit panier à 53 balles, il m'a régalé. Oh, du sucre, encore du sucre, mais oui, mais s'il vous plaît, mais pitié. Mais pitié, mais bien sûr que je vous sucre tout ce que vous voulez. C'est magnifique, monsieur, c'est magnifique.
C'est magnifique ce qui se passe. C'est quoi ça? Ah oui, ok. C'est magnifique, mais c'est magnifique, hein. Mais je vais pleurer. Vous pouvez pas me rendre plus heureux qu'en achetant du sucre, là. Regardez, alors, par contre, vous auriez pu acheter les trois derniers d'en bas, quoi. Par contre, je suis content, mon épicerie, elle a de plus en plus de succès, hein. Excusez-moi, mais il a acheté du sucre encore. Il a acheté du sucre, et je crois qu'il a acheté du sucre en bas, celui qui est en bas. Attendez, je vais vérifier. Non, pas du tout. Ok, bah c'est pas grave, on va pas tout avoir non plus. Hein. Ok. Pas de sucre. Je réagis que pour le sucre, hein. Je ne réagis que pour le sucre. Je ne vis que pour le sucre. Pas de sucre. Ouais, en plus... Un con. Ouais, 50 balles par contre après, là les gens ils me régalent. Les gens ils me régalent. Les gens ils me régalent. Pareil, manifestement. Ok, 25,95, très bien, je prends. On va pouvoir bientôt... on est niveau 9, hein. On va bientôt pouvoir acheter un caissier. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Non, je me suis un peu emporté sur la note, excusez-moi madame. Entre 700 et 38, vous savez, ça... Il y a peu de choses, hein. On est niveau 9, on va bientôt passer niveau 10, et ça c'est beau. Regardez, je peux même courir entre les rayons, parce que c'est mon magasin de toute façon. Ils vont dire quoi les clients? Ils vont dire quoi? Le propriétaire il est fou, il tourne autour des rayons. Bah c'est moi le propriétaire, donc tu veux faire quoi de toute façon? Et je cours hyper vite, hein, excusez-moi. Par contre il faut venir, hein. Ah, toujours beaucoup trop pour ce que c'est. C'est vrai que je suis que le stagiaire, c'est vrai que je suis que le stagiaire, donc j'ai le droit, je suis que le stagiaire. 6,45. Et j'ai oublié 5 centimes, c'est pas grave. On va, est-ce qu'on va atteindre les 1000 ce soir? Est-ce qu'on va atteindre les 1000$? Pas avec des paniers à 9,64, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va atteindre les 1000$? Bah, là t'es en train de flinguer tous mes espoirs. Mais madame, mais vous rendez un homme heureux. Mais madame, mais est-ce que ce serait pas les 1000? Est-ce que ce serait pas les 1000? Est-ce que ce... Je vais taper un SMIC. Vas-y, viens. Régale-moi. $1048. C'est notre meilleur score. $1048. Je sais pas quoi dire. Regardez-moi ça, comment ça va être en verre de zinzin. Bah oui, bien sûr que c'est un verre de zinzin. Le sucre en poudre, ça pue la merde. Oh, il y a tout qui descend, là, en fait. Le sucre en poudre, il baisse de prix. Bah, déjà qu'il était pas fou. Là, c'est la merde, hein. Oh, le sucre en poudre. Ah, par contre, ils m'ont dévalisé le reste, hein. Ok, on va agrandir le magasin, déjà. On va agrandir le magasin, parce qu'on a la thune en vrai. On va déjà payer nos... Non, tu sais quoi, on va agrandir le magasin, on va payer nos impôts parce que sinon vous allez me casser les couilles pendant 20 ans. On agrandit le magasin, voilà déjà. On paye notre prêt à la banque. Hop. Et déjà le magasin... Oh là là, mais attendez, mais c'est quoi ça là? Oh, il y a un angle maintenant. Il y a un petit angle. On va mettre le petit côté frais là-bas. Hop. Et... Écoutez, j'ai jamais été aussi content d'agrandir un magasin, vraiment. Mais pourquoi j'aime autant ce jeu, putain? Ok. Hop, on met ça là. Il faut acheter du stockage. Le prochain truc qu'on achète, c'est les caissiers et le stockage. Déjà, ça respire un peu plus, déjà, parce que là, on était tout comprimé. Là, ça respire un petit peu plus. Là, en vrai, ça commence vraiment à avoir de la gueule, hein. Il faut qu'on achète ça. Ça coûte combien, ça?
Que je rigole, j'aurais pu l'acheter, je suis sûr. $800, bah top, bah à la fin de la journée, à la fin de la journée on prend $800. Il faut qu'on rachète des produits parce que c'est la merde. C'est la merde. Le beurre de cacahuète, on le prend. Et on le met là. C'est pas ce que je voulais faire du tout. C'est pas ce que je voulais faire du tout, je voulais faire l'inverse. Voilà, le cacahuète on le met là. Et on va acheter du pain. On va acheter du pain, on va acheter du pain une fois. Ouais, là il nous faut du sel et des farines. Sel. Farine. Farine encore. Du sucre, je pense que pas besoin de préciser de, que j'en ai pas besoin. Des pâtes. Des pâtes encore. Le thé commence à partir aussi. Hein. Du riz. De l'huile, on a plus d'huile, on a plus d'huile du tout. En effet, on a plus d'huile du tout. Donc de l'huile ici et de l'huile là. On va commencer par ça, déjà on va commencer par ça. D'accord, j'ai pas l'argent, c'est top. Voilà. On commence par les pâtes. Ok, pâtes, on est bon. On pourra pas tout mettre au max, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, bientôt on va faire le buzz là, et bientôt... vous inquiétez pas, je suis en train de... Je suis sur le dossier. Je suis sur le dossier, vous inquiétez pas. Là déjà on a fait $1100, là aujourd'hui on fait 1000 aussi. Aujourd'hui on fait 1000 aussi, objectif 1000 aussi aujourd'hui. Ok, huile d'olive encore. Là on a de la farine. Ici. Ok. De la farine ici. Et si seulement on avait plus de sucre de con, on mettrait le sel là, sauf que bah voilà en fait. Sauf que bah voilà, on peut pas en fait. On peut pas, parce qu'il y a du sucre et que ça ne terminera jamais. Ça ne terminera jamais. Le pain, on le met ici. Voilà, je récupère ça. Voilà, oh mon. Oh, mon rayon, il est parfait. Oh mon rayon déjeuner, je suis. Je suis ému, je suis ému. Mon rayon petit déjeuner, je suis ému. Je peux pas, je suis niqué. Ah ouais. Ah ouais. Ah mon sel, je vais le mettre où? Je vais le mettre, bah, je vais le mettre là pour l'instant. Bah, je vais le mettre là pour l'instant. Faut saler les pâtes de toute façon. Hop, voilà. Ok, et on est bon. Ouais mais je sais qu'on a plus de compter mais j'ai plus d'argent. Donc on pourra pas faire grand, j'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Par contre je peux remettre du lait. Aïe aïe. Vous inquiétez pas, de toute façon là c'est objectif 1000, on va faire 1000. On va faire 1000. On fait 1000, on achète des caissiers, on achète le stockage, on achète tout. On achète la ville, le quartier carrément. $16, c'est pas comme ça qu'on... Là on commence très mal en fait, on commence très très mal mais il l'a pas compris, c'est pas grave. C'est le début, c'est le début, c'est... on commence doucement, c'est comme un diesel. On le met en marche et dès qu'on est parti on nous arrête plus. Attendez, on prend le temps, on prend le temps. Les prix sont très bien mis, les prix sont très bien mis je crois. Je suis sûr qu'ils sont bien mis les prix en vrai. Oui, oui, c'est... Oui. Le riz, je crois pas. Ah non, le riz, ah ouais, le riz... Ah, le riz, c'est la merde. Ok. Vous avez bien fait de me le dire. Ok. Mais je sais pas pourquoi ce jeu est aussi addictif, hein. Je n'ai pas l'explication. Ok. Très bien. Et par contre, je suis hyper fier de mon rayon petit déjeuner, hein. Pardon, mais excusez-moi, mais... À la limite, j'aurais peut-être dû mettre... Ah non, le pain, c'est peut-être mieux... Non, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Oh du sucre! Deux paquets de sucre! Alors là monsieur, je peux vous le dire, si je pouvais vous faire gagner encore plus de sucre, je le ferais. Mais ils veulent pas me nettoyer un rayon, genre, prends les trois là ou les deux ici, me prends pas un là, un là, un là et un là, mais c'est fou ça!
Ah ouais, c'est pas encore intéressant le stockage, vas-y, je le prendrai plus tard. Oula, 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 monsieur. Monsieur, 60$. Monsieur, bah attendez, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? 59.54, parfait ça. Ok, merci monsieur. Ok. J'ai pris un employé, vous inquiétez pas, j'ai pris un employé. Avant, il faut que je puisse... terminer la journée déjà, mais on va prendre un employé. Enfin, il faut que j'ai l'argent quoi. On va être niveau 10, à la fin de la journée on est niveau 10. Ça c'est beau. Après je peux prendre une licence aussi. Ah, il y a plein de choses à faire, c'est trop tard, c'est trop grave, il y a plein de trucs à faire. Il y a une licence que là, il y a un truc vide, c'est trop dommage ça, c'est n'importe quoi ça. Limite on prendra, je pense qu'on prendra... A mon avis on prendra le caissier après... Oh du sucre. On prendra le caissier après, genre la journée d'après. Comme ça on peut racheter plein de trucs et on peut racheter une licence et blinder les stocks. Parce que là pour l'instant c'est n'importe quoi là. On va blinder les stocks et après on prendra un caissier. Parce que ça a rien d'avoir un caissier si on a rien à vendre. C'est comme avoir une voiture et pas avoir de chauffeur. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Hop. Ils m'ont vidé un rayon. Oh, il me reste un paquet. S'il te plaît, prends le paquet de sucre. Mais personne le veut, ce paquet de sucre. S'il te plaît, prends-le, prends-le, prends-le. Il est juste là. Il te tend les bras. Mais oh, je vais péter un plomb. Oh, je suis niveau 10, parfait. Je suis niveau 10. Oh, madame, vous êtes la cliente du mois, de l'année, de la millénaire. C'est magnifique. Merci, madame. Mais vous vous rendez pas compte à quel point vous rendez un homme heureux. Alors là. Ce sucre de con, je veux plus entendre parler. Je veux plus entendre parler de sucre. Je veux plus entendre parler de sucre. On en achète plus d'ailleurs. Oh, toi très bien, ouais, ça valait le coup ça. Oh, deux sucres en plus. Mais ça c'est magnifique hein. Pour Greg et Mema juste ici là. Hop, une huile d'olive. Eh bah ça me fait plaisir, hop là. Par contre, c'est pas avec des paniers comme ça qu'on va s'en sortir là. On va aller sur les 1000 hein. Faut accélérer les gars, faut acheter hein. Niveau 12, on a du PQ. Alors ça. Si ça buzz pas. Ouais, 1000 ça va être compliqué hein. 1000 là, ça va être complexe. Surtout si j'ai des paniers de cons comme ça là. En vrai, ça fait des beaux paniers là. Hein. Ça fait des beaux paniers, je le vois. Bon, pas là, mais le mec derrière, j'ai l'impression qu'il se régale. Lui là, j'ai l'impression qu'il s'est régalé. Pas tant que ça. Je suis hyper déçu. Hyper déçu. Lui, il consomme de l'huile. Il consomme que ça d'ailleurs. Trop BG sans la barbe. Alors, Emma, c'est gentil, mais t'es pas obligé de mentir. Hein. Tu n'es pas obligé de mentir. Des œufs, ok, je prends. Bon, on va restock. Là, on va restock et on va acheter une licence. On va acheter une licence maintenant même. On va pas acheter de licence, on va juste restock. D'accord? On va pas acheter de licence. Ok, un petit peu de sucre, très bien, je prends. Ça augmente. Après on n'est pas à l'abri d'un rush final avec masse produit hein. On n'est pas à l'abri hein. J'ai vu qu'on pouvait acheter un plafonnier aussi. Je sais pas où c'est, je l'ai vu à un moment. On pouvait acheter un plafonnier, j'ai rêvé ou pas? Pas avoir un autre prêt. Mais on va prendre un prêt à 3000$ non? Est-ce qu'on prendrait pas un bête de prêt? Non? C'est une mauvaise idée?
pensez que c'est une mauvaise idée? Vous voyez, là il y a un rush final. Je vous avais dit qu'il allait y avoir un rush final. Regardez-moi ça, il y a un rush final là. Ils sont tous donné le mot. Ils sortent tous du taf. Ils sont tous donné le mot. Et ils me régalent. Ils me régalent. Ouais, faut que je finisse de payer l'autre prêt avant. Ok, bon, je paye l'autre prêt avant et après on prendra un deuxième prêt. C'est où que j'avais vu les lumières? Agrandir. Mais je suis fou, j'étais sûr d'avoir vu des lumières quelque part. Merci Vitel, merci mon ref. Merci mon frérot pour le raid, bienvenue tout le monde. On est en train de retourner le quartier là avec notre super boutique que j'ai appelé le Chris Market. C'est le Chris Market. C'est l'épicerie de tous les plaisirs. Ah, vous avez les fournitures, c'est ça, plafonnier. 40$, pourquoi on l'a pris avant 40$? Bien sûr qu'on le prend, 40$. Évidemment qu'on le prend. Bon, il n'y a plus personne. Bon, on n'aura pas fait les 1000, on aura fait 792. Ah mais mec, c'est une dinguerie, vraiment. Je suis addict à un jeu de con. Je suis addict à un jeu de con, mais il faut le dire. Je suis addict à un jeu où je fais genre j'ai une épicerie. C'est ça, actuellement, là, mon plaisir. C'est je fais une épicerie. Et vraiment, j'adore ce que je fais. J'adore ça. Je trouve ça génial, mec. Je prends énormément de plaisir. Ok, donc là, il va falloir... Oh là, ils m'ont dévalisé. J'ai plus rien. On va tout restock. Mais ouais, le jeu est pas ouf. Mais vraiment, c'est un bonheur. Je t'assure, c'est un bonheur. L'huile d'olive. Allez. Je mets de l'huile d'olive juste ici. Hop. Donc, on va refaire notre petit... beurre de cacahuètes. On va refaire notre petit truc. Beurre de cacahuètes. Il nous faut du beurre de cacahuètes. Ok. Non, on va pas en prendre deux par contre. On va en prendre qu'un. Ensuite, on va prendre du comté. Alors du comté, il nous en fera pas mal. Hein. Du comté, on en prend deux. Ok. De l'eau. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste du pain de mie. Ok, bah j'ai juste ça. Très bien. Il me reste du riz. On met ça là. Parfait. Hop. Chocs qui piquent. Il me faut des chocs qui piquent. Il me faut du café. Ensuite, il me faut... huile d'olive, il m'en faut. Il me faut une huile d'olive comme ça. Café, j'ai pris. Il me faut du sel. Non, le sel, j'ai là. Le sel, c'est ici. Donc, c'est bon. Farine, bien vu. Il me faut de la farine. Donc, farine, c'est là. Et. Bah, déjà, on va acheter ça déjà. Et farine ici. Farine là. Ok. On va commencer déjà avec ça. Le café est juste ici. Je vais acheter le caissier après. Pour l'instant, il faut vraiment du stock parce que là, les rayons sont vides, c'est ridicule. Je vous l'ai dit, on fait pas de vélo sans roue. Bah, on vend pas sans produit. Hop. Donc déjà, on se met bien. On remplit les rayons. Hop, beurre de cacahuète. Ici. Hop. Ensuite, le comté. Le comté, valeur sûre. Mais qu'est-ce que je raconte? Le comté, valeur sûre. Le comté, c'est vraiment une valeur sûre parce que ça vend. Le comté, ça vend à balle. Il y a une grosse demande de comté. En tout cas, dans cette ville. Le comté, ça consomme. Ok, hop, l'huile d'olive ici. Ensuite, juste ici, on a quoi? On a de la farine. La farine, on la met où? La farine, on va la mettre... On va la mettre ici, la farine. Ok. Il nous faut de l'eau. De l'eau, il nous en faut. C'est quoi ça, déjà? Qu'est-ce que j'ai acheté ici? Ah, le plafonnier! Ah, d'accord! Donc, c'est pas un grand plafonnier, c'est un petit...
Ah ouais, d'accord. Donc du coup, il me faut deux trucs là. Il m'en faut deux ici. Et deux ici. Il m'en faut trois. Non, il m'en faut quatre. Il m'en faut trois. Ok, il m'en faut trois. Ok. Il me faut des pâtes, c'est ça? Il me faut des pâtes. Il me faut des pâtes. Il me faut des pâtes de fou. Pâtes et pâtes. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Du thé. Ah, on peut racheter du thé. Et j'aurais dû mettre café et thé. C'est pas grave. On va racheter du thé. Ok, du thé, on est bon. On va le mettre là. De l'eau, du coup, j'avais dit. Ok. Est-ce que niveau œuf, on est bon? Ouais, lait, on est pas mal aussi. Bah, c'est tout, hein. On est pas mal, hein. Ok. On est pas mal. Le petit plafonnier, avec plaisir. On va le mettre là. Voilà. Un autre plafonnier. Juste ici. Et un autre plafonnier, juste là. Voilà, là, on sera beaucoup plus agréable. Ah bah oui, ah bah oui! Mais là, ça donne envie d'aller. Oh, ça me stresse de zinzin. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais me mettre là. Et je vais juste descendre. Ok. Lui, c'est pareil. Je me mets là. Et... voilà. Ah, comme ça, c'est plus droit déjà, c'est plus droit. Ok. Ah, c'est déjà mieux en vrai, non? Oh, ça va me stresser cette histoire. En plus, je suis un vraiment maniaque de zinzin. Là, ça me paraît pas mal. Ok, ça me paraît pas mal. Il m'en manque un. Bon, c'est pas... c'est déjà suffisant, c'est déjà bien. Ok. Ensuite, de l'eau. Ici. On prépare la journée, Des pâtes. Les pâtes, ça fait plaisir. En plus, il marche vraiment bien. On va en mettre deux. On va en racheter du thé, juste ici. Voilà. Des pâtes, voilà. De la farine bleue, celle-là, on va la mettre. Ah merde, je l'ai oublié. Ah, j'aurais voulu la mettre à côté. Bon, c'est pas grave. On va la mettre là. Ok. Le caissier coûte combien, le caissier? Il coûte combien? Est-ce qu'il coûte cher, le caissier? Eh ben, on le prend. Mais non, on le prend, le caissier. Évidemment qu'on le prend, le caissier. Oh, mon frérot. Ah, mon frérot! C'est le stagiaire qui va te dire... c'est le stagiaire qui va te dire quoi faire. Voilà. J'ai 17 ans. Mais je vais te dire quoi faire, ok? Qu'est-ce qu'on me raconte là? Excusez-moi, c'est ma prof de japonais en fait qui m'envoie un message, c'est pour ça. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Je n'ai pas oublié le cours de demain. Hop. Bonne soirée. Et merci beaucoup. Midi et demi pour lundi prochain, parfait. Adeline, si tu regardes, midi et demi le cours de japonais lundi. Je l'ai décalé un petit peu. Sinon, ma vie est un enfer. Ok, donc... ça, c'est vraiment un rayon de cons, hein. Le rayon, il sert à rien. Il fait pitié. Il faut que j'achète une licence pour ça, mais j'ai pas la thune. J'ai pas la thune. Écoutez, c'est parti. On y va. On va un petit peu gérer le caissier. Nous, on va faire un truc bien. On va jouer le patron. On va se mettre là et on va rien faire. Il est lent, ce lait, en tout cas. Ah, voilà. Merci, madame. Et vous me rendez ouf avec les factures? Vous me rendez fou avec les factures? Voilà, les factures, je les paye, les factures. Elles sont payées, les factures. Voilà. J'ai plus un sou en poche. Ça vous fait plaisir?
Il reste 375 balles. Okay. On y est presque. Alors. Ah monsieur, vous a... j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. C'est un peu comme si je venais de donner un enfant. Je viens d'accoucher. Accoucher d'un enfant. Juste, il est... Bah, il est formé déjà de base, quoi. Mais, ok, montre-moi. Ah oui, c'est... Il faut pas... Ah oui. On prend son temps, quoi. D'accord, on prend son temps. Ok, on prend son temps. Il va s'appeler Robert. Robert, faut se bouger le cul un petit peu, par contre, hein. Tu me dis, Robert, si tu veux pas que je te brusque, hein. Tu me dis, hein. En vrai, ça va, c'est pas comme si je te payais déjà 80 balles l'heure. 80 balles l'heure. Ok. 80 balles l'heure, mon petit pote. Pas du tout. 80$ la journée. Donc en fait, t'as bien raison de prendre ton temps. Prends ton temps, frérot. En vrai, vu la misère que je te paye, vraiment, en vrai, même vas-y les yeux fermés. Je comprendrai. Y'a plus de sucre. Y'a bientôt plus de sucre. Y'a bientôt plus de sucre. Ok, ben bah là du coup on fait quoi pendant un instant nous? On le regarde du coup? On remplit les étagères, on va remplir les étagères, mais il nous faut plus d'argent. Il nous faut plus d'argent parce que là on n'a pas assez d'argent là. Moi j'aimerais bien acheter une licence, une nouvelle licence, mais la licence coûte cher. La licence, là on aurait quoi? On aurait rond-point moussac. Ah non, c'est quoi ce bordel? Ok. On aurait du soda, du nouveau lait. Du jus. Ah mais là c'est une licence que de boisson, ça m'intéresse pas. Oh là là, là regardez-moi ça. Regardez-moi le bordel d'ici là. Bon papa gâteau, pépite gâteau, bon bec, crispy chiblig céréales, chocotte bar chocolat, frugen yaourt. C'est ça qu'il nous faut. C'est clairement ça qu'il nous faut. Et ça coûte combien? On va avoir ça là. Je le mets là. Et boum, deuxième rayon entier de petit déjeuner. Rayon entier de petit déjeuner. Tu feras gaffe, Robert, il y a vraiment 4 personnes. Hein. Attention. Et il me faut une deuxième caisse. Il va falloir que j'agrandisse. Oh là là là, oh là 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 là. Attends, une deuxième caisse. C'est combien une caisse? C'est 500 balles? Bah, ce sera pas tout de suite. Hein. Ce sera pas tout de suite. Oh, elle a pris deux sucres. Il n'y a plus de sucre. On est libéré de ce fardeau. C'est fini le sucre. C'est terminé le sucre. C'est terminé. C'est magnifique. Il enchaîne, Robert. Ouais, ça va, Robert, il est bien. Il enchaîne. Dès qu'on a 500 balles, on achète la licence. Celle-là, on enchaîne la licence. En fait, il nous faut 550 balles. Donc, ouais, mais maintenant, on me demande du sucre. Bon, on se fout de ma gueule. Non, on me demande du sucre. J'en avais 12 rayons. Personne n'achetait. Là, maintenant, j'en ai plus. Tout le monde me demande du sucre. C'est une blague. Le culot. Ça fait 3 clients qui passent. 3 clients qui me demandent du sucre. Le culot. Ah, j'en remettrai un tout petit peu de sucre, alors j'en mettrai un petit peu là. C'est tout, juste un. Faites-moi des plus gros paniers parce que sinon on va jamais s'en sortir là. Robert, il est dépassé déjà là. Il est en sueur, Robert. Regardez-moi, c'est... Oh, il y a la file d'attente à Crush Coaster qui est en train de se former, Robert. Il va falloir y aller maintenant, là. Il faut accélérer, mon pote, hein. Comment il dégage? Comment c'est moi qui fais? Comment il dégage? Je le licencie? Oh! Robert! Je le licencie, en vrai, je le licencie, non? Mais 100$, il m'a coûté 100$ à l'embauche, hein.
Il est en train de me niquer le business. Il est en train de me flinguer le business. Il est en train de me flinguer le business. Je vais acheter une nouvelle caisse. Je vais acheter une nouvelle caisse. Allez, tant pis, c'est pas grave. Attends, on verra pour le truc après. Je vais acheter une nouvelle caisse parce que là, il est en train de me niquer le business, là, notre Robert. Là. Il est en train de me flinguer le business. Oh le bordel. Ok messieurs dames. Ok messieurs, je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous messieurs dames. Oh le con. On a pas la place. On n'a pas la place. Putain. On n'a pas la place. Ok, c'est bon. Je m'occupe de vous, messieurs, dames. Voilà, Robert. C'est comme ça qu'on gère une affaire. Ils sont bloqués, eux. Mais venez me voir, moi. Mais venez me voir moi, Sardoche, viens me voir moi. Nickel. Merde. Et eux, ils sont bloqués, ils sont buggés, j'ai pété un plomb, j'ai fait bug le jeu. J'ai fait bug le jeu, j'ai fait bug de client, j'ai pété un plomb. Ils ont buggé. Ils ont buggé. Ils ont buggé. J'ai perdu deux clients. Je vais me foutre en l'air. Mais hey, personne vient me voir en plus. Bah, c'est une blague. Y'a plus de lait ? On m'a dévalisé. On m'a dévalisé. On m'a dévalisé. Et voilà, et les deux cons là, ils vont rester là. Ils vont rester là. Si je termine la journée et qu'ils sont toujours là demain matin, je vais vriller. Ils ont dormi ici ou pas ? Non, c'est bon, ils sont quand même rentrés chez eux, ok. Donc Chocky Peak, ça a monté de prix. Ça, c'est parfait, ça. 7,18, parfait, 7,20, hop là. Magnifique. Qu'est-ce qui a monté de prix aussi? Pas ça. Pas ça. Pas ça. On n'a plus rien. Oh là 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 là, la galère. Bon. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Mais c'est ce qu'on va, on va faire ça, en fait. Au lieu de m'embêter, je vais faire ça. Je vais faire ça. Comme ça, on aura plus de place, parce que là, les étagères, c'est ridicule. Là, on se marche dessus, c'est ridicule. Ok. Bon, j'ai peut-être un peu abusé au niveau de la place, là. Ok, là c'est mieux, là c'est mieux, et on va mettre du coup les deux caisses côte à côte, voilà, là c'est beaucoup mieux, non, j'abuse un peu, il faut que je fasse un peu, il faut que je fasse ça, et lui il faut que je le rapproche, voilà, là on est bien, on est pas mal, c'est mieux en tout cas, il faudra qu'on agrandisse c'est sûr, hein, mais c'est mieux, peut-être laisser un peu d'espace pour respirer, ok voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 284. J'ai payé mes factures déjà. Oh là 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 là, c'est la merde. C'est la merde là. 345. Vous êtes sûr qu'on fait pas de prêt, hein? Vous êtes sûr qu'on fait pas le prêt à 2000 balles, hein? Vous êtes sûr? On va remettre l'huile. Ok. L'huile. Écoutez, je vais faire le... Et en vrai, allez,
C'est bon. Et limite, avec ça, limite, je peux rembourser lui. Comme ça, en vrai, comme ça, j'en ai pas deux sur le dos. Je fais un remboursement anticipé de lui. En vrai. Comme ça, moi, je suis tranquille, non? On s'en fout. Ouais, comme ça, c'est bon. Hop là. Comme ça, je reprends un prêt. Comme... Non, c'est bon, j'arrête. Ok, là, c'est bon. Donc, on a déjà beaucoup. Au moins, on n'en a pas deux sur le dos. Ça, c'est bien. J'ai pris un prêt pour rembourser mon prêt. C'est magnifique. C'est là le commerçant est là. Le commerçant est là. Le commerçant est là. Ensuite, j'ai en gestion. Je prends la licence. Je prends ça. Là, c'est la régalade. Là, je me fais. Hop. Alors là, on va se faire plaisir. Là, des chocs qui piquent. De la pâte tartinée. Pâte tartinée, elle est où, pâte à tartiner? Pâte à tartiner, c'est là. Ok, ensuite des pâtes. Des pâtes. Hop. Et hop. Ensuite, du riz. Hop. Du lait et des œufs. Et des œufs. Hop. On achète ça déjà. Tac. Ensuite, la nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est les gâteaux. Donc, deux gâteaux. Deux bonbons. Deux céréales. Yaourt. On en prend aussi. Hop. Donc ça, c'est des céréales. Les céréales, on va les mettre en face. Hop là. C'est parfait. Les yaourts. Ah oui, yaourt, merde. Ah, yaourt, on met ça là. Yaourt, on met ça là. Voilà. On est bon au niveau des yaourts. Ouais, les œufs, faut que je les change. Ils ont baissé de prix. Ouais, j'ai vu. Les bonbons, on les met où les bonbons? Bah on les met là en vrai les bonbons. On les met là, où on va les mettre là. Les céréales, hop. Beurre de cacahuète. Spaghetti. Là, on est niveau 11 en plus, hein. Eh, ça monte. Les gâteaux, encore des gâteaux. Gâteaux, on va mettre ça là. Hop là, il s'appelle Bon Papa. Ah, j'ai bien, je viens de capter. Bonne maman, Bon Papa. D'accord, je viens de capter. Très bien. Ça aura pris le temps. Ok, hop. Les bonbons, on en remet là. Bonbons, ça va cartonner, les gars. Les bonbons, ça va cartonner, je vous le dis. Ah, oh putain, j'ai pris beaucoup de yaourt. Hein. J'ai pris beaucoup de yaourts. Des œufs. Ok. Des chocs qui piquent. Ok. Du lait. Oui, je sais, j'ai pas encore mis les prix. Laissez-moi le temps, déjà, je le range déjà. Ok, du riz. Hop. Du lait, encore. Je vais mettre du lait là. Parce que le lait, ça part vraiment vite. Ok, là, on a des œufs, j'en remets là. Ok. Ok, ensuite, Bon Papa, encore, on met ça là. Franchement, là, vraiment, notre épicerie, franchement, Chris Market devient vraiment quelque chose, là. Ah ouais, les œufs, j'ai abusé, d'accord, les œufs, j'en mets là, c'est pas grave, j'en aurai pour tout à l'heure. Ok, ensuite, j'ai des autres gâteaux qu'on va mettre là.
On a un rayon petit déjeuner, les potes. Mais alors là, pardon, mais excusez-moi. Il est royal. Il est royal. Mais comment ne pas vouloir aller dans mon rayon petit déjeuner, s'il vous plaît? Comment ne pas vouloir? On va racheter des trucs encore. Beurre de cacahuète, on achète. On n'a pas acheté de barre chocolat. Ça, il nous en faut. Ça va être sympa. Il nous faut encore du riz et des pâtes. Pâtes et riz. Du sel, il nous faut du sel et de l'huile verte. Sel. Huile verte. On va reprendre un sucre de con. Vraiment un seul, hein, pour le coup, vraiment. Je ferai plus la même erreur. Un seul sucre, c'est très bien. De l'eau. Farine. Donc farine comme ça et farine comme ça. Et déjà, on achète ça. Tac. Ok, tac, tac. Et de l'eau, on en met à balle. Ok. On pourrait acheter un autre frigo aussi. Hein. Farine, on va la mettre là. Je vais enfin pouvoir la ranger. Hop, je vais enfin pouvoir bien l'organiser. Et farine là. Ouais, c'est bien d'acheter un autre frigo en vrai. Ça coûte cher. Là, en vrai, le prêt commence à partir très vite. Là. Le prêt, il part très vite. Je vais mettre le chocolat. Le chocolat, je le mets où, tiens? Je vais le mettre là, le chocolat, avec le thé, tiens. Hop, là, un petit thé, un petit peu de chocolat, c'est bien. Hop. Pas de tartiner. Ok. Non, allez. Allez. Ok. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les prix. Pour l'instant, je range tout, après je fais le tour des prix. Hop. Des pâtes. L'huile d'olive verte. Tac, 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 tac. Hop, il nous en restera, c'est parfait. Et ensuite, c'est quoi ça? C'est le sel. Le sel, on le met là. Et franchement, en vrai, je suis content de notre organisation, là. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il manque ça ici, là, en bas. On en a pas. Il manque, il faudra qu'on rachète du café et quelque chose pour en bas. Café, eau et quelque chose en bas. Café, eau, alors café. Café, 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 c'est où café? Café, de l'eau. Et qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour en bas? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour en bas? Ah, du comté aussi, il nous faut du comté. Il faut du comté. Hop, et qu'est-ce qu'on peut mettre en bas? On va remettre un deuxième étage de riz. Non, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup en vrai si on remet du riz encore. Ici, là, en bas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pâte, riz. Et en vrai, on va peut-être garder pour un autre frigo. Hein. Un frigo, ça coûte combien? 200 balles pour un petit frigo. Allez, et on fait ça. Très bien. Hop. Hop. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va ranger tout ça. Donc là, on a des pâtes. Ok. Hop. Plus, on fait du stock en plus. C'est bien, on fait du stock. Mais c'est parfait. Mais là, mais excusez-moi, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais je vous le demande. Qu'est-ce qui nous arrive en fait? On aurait l'autre licence, ça aurait été royal. On aurait l'autre licence, ça aurait été royal. On n'a jamais assez d'eau. On n'a jamais assez d'eau. Le comté. Ok. Le café. Allez, allez. Ok. On va remettre des œufs.
En vrai. On remet des œufs. Ok. Et on met... On aura du PQ. Oh, le PQ quand on va le mettre. Oh, le PQ quand on va le mettre, excusez-moi. Mais vraiment... Oh, le buzz qu'on va... Mais on, ça, on va devenir... Bah là, on va devenir un... C'est, on sera plus un supermarché, on sera un hypermarché. Déjà, déjà. Il nous refaut de l'eau. Il nous refaut de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, tac, de l'eau. Ouais. Je sais qu'on a des frais de port, mais tant pis. Ça me stresse sinon. Hop. Ok, on est bon. On est pas mal, on est bien. Excusez-moi, mais on est vraiment bien là. Ouais. Ok. Ouais. Ok, le comté c'est bon. Je vais peut-être en racheter, juste pour le plaisir. Hop. Non, deux c'est beaucoup quand même. Hein. Peut-être pas abuser. Et on met les prix. Et on sera prêt pour l'ouverture. Ok. Ok, alors les prix. Là on a 2,10€. On met 2,20€. Hop. Là on a 4,20€. Et on met 4,30€. Même 4,40€ même. Et pas 4,40€. Personne n'a compris la vanne. Allez, 5,70€. 5,80€ même. Allez. Les bonbons. Les bonbons. Ça fait plaisir les bonbons. 4,30€. Ok. Ensuite, les Chocapic. Est-ce que les Chocapic, ils ont baissé? Non, ça va, ils ont pas bougé de prix. Ça, ça a pas bougé de prix. Ça non plus. Le chocolat. Le chocolat, c'est 3,92€. Et bah, ça sera 4,10€. Hop. C'est bon ici. Là, le prix n'a pas bougé. Non. Le prix n'a pas bougé. Non. Le prix n'a pas bougé. Non. Les yaourts, c'est 2. Et bah, ce sera 2,20€. Le comté il a bougé ou pas le comté? Non il a pas bougé, le lait il a pas bougé, l'eau elle a pas bougé, les œufs ils ont pas bougé, est-ce qu'ils ont un peu baissé les œufs? Bon c'est pas grave, Ok, on est bien là en vrai mais c'est pas mal tout ça là. Mais on est prêt pour l'ouverture? J'espère on va faire un malheur, j'espère. Ça... Oh, j'ai beaucoup d'espoir, Allez, c'est parti. Oh, nouveauté. Tac. Nouveau magasin. Bon, il va nous falloir par contre la salle de stockage. Il faut la salle de stockage. Nouveau magasin, j'attends les clients. Et c'est une femme qui arrive en premier. Et les femmes, depuis le début du jeu, elles me régalent. Elles me font des paniers de zinzin. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et qu'elle va me faire monter les prix. À monter la recette, je veux dire. Ou elle consomme le chocolat, la farine, tout ça. Et tu vas voir qui là? Donc tu vas voir Robert, moi je vais me faire foutre. Ok, cool. Donc moi je sers à rien en fait, c'est ça hein. Du coup je sers vraiment à rien. S'ils vont le voir, du coup je sers à quoi? Mais... Ah, j'ai mal calculé un truc je pense. Hein. Ils ont pas la place pour passer? Mais je suis transparent, je n'existe pas là. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Peut-être qu'il préfère Robert, je ne sais pas. Peut-être que j'ai quelque chose en moins. J'ai quelque chose en moins par rapport à lui. La joie de vivre, peut-être. Je ne sais pas. Ce qui serait cool, c'est d'avoir un deuxième caissier. En vrai, si j'ai deux caissiers, je me régale, hein. J'ai deux caissiers. Ah putain, c'est niveau 20. Oh là là. Niveau 20 pour avoir un deuxième caissier. Ah oui, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Bah écoutez. Si je mets les caisses dos à dos, vous pensez? Genre en mode comme ça. Et lui, pareil. Mais j'ai pas le temps en fait. Il me laisse pas le temps! De l'autre sens? Et merde. Mais non, c'est bizarre dans l'autre sens.
vais réussir à les refaire bugger. Je vais réussir à les refaire bugger. C'est bon, ça m'a cassé les couilles. Allez, tu sais quoi? Je peux pas me foutre dehors? Bah, j'aurais voulu mettre la caisse dehors, ça m'aurait beaucoup fait rire. Mais là, il est en galère, là, Robert. Il est en galère, hein. Là, Robert, il est en galère, hein. Faudrait qu'on les mette, ouais, faudrait qu'on les mette à la verticale comme ça en fait, tous les deux. Mais j'ai pas le temps, y'a trop de gens. J'ai pas le temps, y'a trop de gens. Attendez, excusez-moi messieurs dames. Voilà. Et si on se met comme ça, on est pas mal là. Mais pourquoi y'a que moi maintenant? Putain de merde, mais c'est pas possible. Il a pris un yaourt. Ah ouais, d'accord. Donc on en est là, c'est pour ça du coup. Ok. J'ai mis des yaourts pour ça. C'est bon là, vous pouvez payer en carte aussi un petit peu. Ça change, hein. Merci monsieur. Ok, là, ils peuvent aller voir Robert aussi un petit peu. Voilà, là on se divise les tâches, voilà. Là on se divise les tâches, ok. Ok, je prends. Est-ce que si je me mets là du coup il y a des gens qui viennent me voir ou pas? Mais en fait soit on me ghost, c'est que moi, y a pas d'entre deux. Y a pas, on se divise les tâches. Non, c'est vraiment genre, soit je suis dans la merde. Tu vas venir me voir, toi. Elle se régale. Hein. Alors, elle a consommé. Hein. Tu vas venir me voir, moi. Ok, là, on se divise les tâches. Ok. Oh là 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 là, le panier. Pardon. En fait, plus tard. Ouais, mais là, parce qu'on a, en fait, on a plein d'articles différents. Du coup, c'est le régal. Hein. C'est le régal. Ouais, les gens sont plus tentés d'acheter plein de trucs. Bah oui, bien sûr. Technique marketing le basique, le classico, bien sûr. On est déjà à 670, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Sardoche, viens ici là. Fais-moi rêver, Sardoche. Pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est vraiment m'ignorer, quoi. C'est vraiment tout. Allumer la lumière. Hop. Voilà. Ok. Ouais, bah, un peu déçu, je t'avoue, mais c'est pas grave. Et ceux qui viennent acheter juste un paquet de gâteaux, j'ai envie de péter un plomb. Vraiment, j'ai envie de péter un plomb. Par contre, maintenant, en vrai, déjà, je respectais les caissiers et les caissières, mais là, après ce jeu, je vais les respecter encore plus. Hein. Je comprends, en fait, les gens, t'as envie de les encastrer à un moment. T'as envie de te battre, t'as envie de te lever et de te battre avec eux. Je comprends, en vrai je comprends totalement. Et par contre on est à 822. En vrai on est bien, on récupère pas mal d'argent, je suis content. Chris Market là, ça pèse un petit peu là. Hein. En plus Robert il est hyper heureux de travailler là où il travaille. Hein. Vous voyez qu'il est hyper heureux, en vrai je le paye hyper bien en même temps. Qui peut que être heureux. 80 balles la journée. Ah, c'est beaucoup, hein. Ça fait, 80 balles la journée. Il travaille 5 jours. 80 balles x 5, ça fait 400. 400 x 4, ça fait 1600 balles. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il manque des spots ici, hein. Il manque un petit spot là. Bah, c'est fermé, de toute façon, il est trop tard. Ah, c'est moi qui m'occupe de toi? Très bien. En plus, tu viens vraiment juste pour m'emmerder, quoi. Top. Mais
attendez, mais c'est l'heure de pointe. Mais on va encore dépasser 1000. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que mon magasin serait pas en train de buzzer là? Est-ce que mon magasin il a pas percé? Est-ce que quelqu'un n'est pas venu faire un TikTok sur mon magasin? Je sais pas. Hop. C'est magnifique ce qui se passe. Robert, Robert, arrête de tirer la gueule. Arrête, on est à 1000 dollars, Robert. On est à 1000 dollars, Robert. On est à 1000 balles. 1000 balles. Elle m'a fait un panier de fou. Elle m'a fait un panier. Oh là 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 là. Elle, je savais qu'elle m'avait fait un panier de fou. Et bah c'est parfait ça. C'est ah d'accord. Je pensais que c'était fini. Pardon. Excusez-moi madame. C'est bon ? On a fini la journée ? Et bah Robert, c'est pas mal ça. Robert, tu peux rentrer chez toi. Très bien. On a gagné 1000 balles, c'est vraiment pas mal. Ok, les œufs et la farine a baissé. Et les pâtes ont augmenté. Les pâtes ont augmenté. On augmente aussi. Et les œufs et la farine ont baissé. Ok, cette farine-là, c'est ça. Ah ouais, bien baissé en plus. Hein. Je suis abattu. Qu'est-ce que je raconte, putain? Je parle de farine, là. Je pète un plomb. Je suis trop investi dans le jeu. Je suis trop investi dans le jeu, en fait. Je suis trop investi dans le jeu, ça n'a aucun sens. Ok. Et les œufs. Ok. Je vais payer mes factures. Oui, j'ai payé mes factures. J'ai compris. Tac. Tac. La banque, le prêt. 120! Oh là là! Waouh, 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 waouh! Ok! 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 D'accord! Ok! Oh, hey. 100 balles tous les jours? Ça va coûter très cher cette histoire. Hein. Ça va coûter très cher. Hein. Oh là là! Oh là là! Oh, ça fait mal, hein! Est-ce que j'agrandirai pas un petit peu? 1300 balles? Non, du coup, hein, c'est non. Stockage, le stockage, on peut l'acheter, mais je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour l'instant. 800 balles pour l'instant, c'est vraiment pas assez intéressant. Là, il me faut le riz. Il me faut riz. Il faut que je remette du riz. Ok, hop. Et je vais mettre ma caisse de l'autre côté pour éviter de voir le mur, en effet, merci au chat, parce que là, vraiment, ça n'a aucun sens. Ok, tac, donc là, on va racheter du riz. On va racheter du riz ici. On va racheter quoi d'autre? On va racheter quoi d'autre? J'ai des pâtes, je vais remplir les pâtes. Ok, c'est bon. De l'eau. Non, la licence pour l'instant c'est pas intéressant. En fait là j'ai pas assez de... J'ai pas assez d'argent pour me perdre. Enfin j'ai même pas assez d'argent, c'est 1300 balles donc pour l'instant ça sert à rien. Le café. On en remet, c'est bon. Plus qu'on avait du stock, en vrai j'ai même pas besoin forcément de racheter beaucoup de choses. De l'huile. On en remet, parfait. Du comté. Du comté, on en remet. Ça c'est bien ça! J'ai même pas besoin de racheter! On avait déjà pas mal de choses, c'est cool! C'est bien, c'est bien, c'est bien, le beurre de cacahuète, on en a. Non, on a plus de pain de mie par contre. Yaourt? Ils ont pris du yaourt ou pas? Bon, ils ont pris un petit peu de yaourt, non, c'était timide. Hein. C'est timide, hein! Ok, en même temps, un yaourt par un yaourt, on va pas aller très très loin. Qu'est-ce que je dois racheter déjà? Du pain de mie? Ouais, parmi ils m'ont mis... Petite claque là, hein. je commence à parler comme un mec qui a une épicerie. Ils ont mis une petite claque au pain de mie là. Ils ont mis une petite claque au pain de mie. Les bonbons, ils se sont régalés avec les bonbons. Ils se sont régalés avec les bonbons. Du sel, du thé et des chocolats. Sel, thé, chocolat, farine. Sel. Attends, ça, il faut que je... Tac. Thé. Hop, chocolat. Et farine. Et on va acheter ça déjà. Le pain de mie. On remplit. Voilà, on est bien. Ensuite, encore du pain de mie. Voilà. Excusez-moi, mais on se régale. Hein.
Hop. Moi, je me sens bien, en vrai. Je me sens bien, je suis avec mon petit Robert. Je suis avec mon petit Robert, ça se passe bien. Je parle pas du mon petit Robert, en plus. Je parle pas du dictionnaire, quoi. Elle était pas obligée, celle-là. Elle était pas obligée, cette vanne-là. Même pas, elle était pas nécessaire. Elle était pas nécessaire, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai vraiment trop l'habitude de dire ce qui me passe par la tête. C'est pas forcément une bonne chose à chaque fois. Mais en tout cas, je me sens bien avec mon petit Robert. On passe du bon temps. On passe du bon temps, on est bien, on partage des choses. On partage des choses et en vrai, là, je me sens moins seul. Hop là, le petit thé. Tac, 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 tac. Puis il est content de travailler avec moi, regardez. C'est juste qu'il exprime mal ses sentiments. Il exprime mal ses sentiments, mais il est heureux. Il est heureux d'être là. Le sel, maintenant. Hop. Le sel. Et on est pas mal, en vrai. On est pas mal. Je pense qu'on va bien s'en sortir. Oh merde, putain, mais il faut faire... Ok, d'accord. Je fais une dernière journée et je dois arrêter le live. En fait, je suis en train de m'emporter. Je suis parti pour la nuit, en fait. Je suis parti pour la nuit. On fait une dernière journée, on voit comment ça se passe et on s'arrête, ok? Et du coup, j'en profite pour vous conseiller de vous abonner à la chaîne. Enfin, de vous abonner, de me follow, en fait. Parce que c'est gratuit. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à follow la chaîne comme ça quand... Je pense que je relancerai un live potentiellement dimanche. Il y a peut-être moyen dimanche que je relance un live. Donc n'hésitez pas, follow la chaîne, c'est gratuit. Et n'hésitez surtout pas à activer la cloche, comme ça si des fois je lance des petits lives ici et là. En plus je pars au Japon mardi, donc il y a moyen que je lance des petits lives un peu au hasard. Et bah n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous serez, comment ça s'appelle, vous serez prévenu. Voilà, je commence à fatiguer, ça se voit, je commence à fatiguer. N'hésitez pas à follow. N'hésitez pas. En fait, je vous menace carrément. Follower, je vous menace. J'ai fait un live avec une tête, j'ai pas de barbe, je passe pour un con là. c'est un enfer. Pardon, madame. J'exploite pas Robert, il est heureux, regardez-le! Il est au taquet là, il est au taquet! Là, le Christmas. Là, c'est bientôt un super Christmas Market. Hein. Là, en vrai, on est déjà un super Chris Market. Mais bientôt, c'est un hyper Chris Market, bientôt. Hop. Mais regardez les paniers qu'on me fait maintenant. C'est un bonheur. En vrai, Adeline, tu veux pas me rejoindre à la bulle et on part ensemble? Comme ça, le temps que tu arrives, on s'en va, quoi. Ça évite de prendre deux Uber, en vrai. Ouais, j'ai des bonbons maintenant. J'ai des bonbons, j'ai des gâteaux, j'ai des céréales, j'ai plein de trucs. J'ai un rayon, apparemment, mon rayon petit déjeuner. Mais premier degré, vous vous rendez pas compte à quel point je suis fier. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis fier de mon rayon petit déjeuner. Et je pensais pas dire ça, hein. Je pensais pas dire ça. Ou si tu veux, je prends un taxi, on s'arrête pour te chercher. Bah si tu veux, mais va falloir bien timer, hein. En gros, prends le taxi au moment où je dis au revoir, quoi. Oh, Narval au café est trop fier. Comment ça, Narval au café est trop cher? Comment ça? Merci beaucoup, Kira Park John, pour le sub, bienvenue. Il est sur la chaîne. Ah ouais, là, oui, d'accord, il a baissé. Bah j'ai... Wow. J'ai un lapsus, carrément. Pardon. Hop. Un lapsus, pardon. J'en perds les mots. J'ai été déstabilisé par le prix du narval au café. J'ai été déstabilisé. Excusez-moi, j'ai été déstabilisé. Ça arrive à tout le monde. Je suis encore stagiaire, je fais des erreurs. C'est Robert qui m'apprend tout. Oh là, oh là! Mais depuis tout à l'heure, je vois des clients rentrer et j'entends pas Robert faire la caisse, en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont des vrais paniers, hein. Ça veut dire qu'ils prennent bien leur temps, ils mettent des vrais paniers. Enfin, pas tant que ça, finalement. Vous voyez, ma théorie a vite été détruite. Donc je suis un peu déçu. Et c'est toi qui as les vrais paniers, en fait. Ah ouais, c'est toi qui as les bons paniers. Je n'ai pas trouvé de gros farine. J'ai plus de farine. Ah, j'ai plus de farine, merde. J'ai plus de farine. Ah, bien vu, j'ai plus de farine. 11, 20, hop. J'ai plus de farine, on va en racheter. J'ai plus de farine. Merde, qu'est-ce que j'ai... Farine et huile d'olive.
Farine. Et huile d'olive. Laquelle elle est où? Elle est où? Elle est là. Les rediffs maintenant elles sont en sub only. Je préviens, les rediffs maintenant elles sont en sub only. Comme ça les subs ont un avantage à plus que juste avoir un badge qui fait joli. Ils peuvent voir les rediffs directement. Par contre, il y a une chaîne rediff que j'ai lancée sur YouTube qui s'appelle Sora Rediff. Et en fait, du coup, bah, il y aura les rediffs un petit peu après, le temps que je les mette. Ça peut venir quelques jours après. Mais du coup, vous pourrez les voir gratuitement. Bah, si vous n'avez pas forcément envie de vous sub, vous pouvez voir gratuitement sur YouTube un peu plus tard. Et si vous voulez vous sub, bah, vous pouvez. Vous les verrez directement. Voilà, voilà. Vous savez tout. Ok, pardon madame. Tu vois Robert, ça c'est de l'efficacité. Ça c'est de l'efficacité, ça. Ok, et vous monsieur. Voilà, super. Ça c'est bon, il me faut de l'huile d'olive verte maintenant. Putain, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Hop. Excusez-moi madame. Pour deux œufs en plus, vous me dérangez. Stop, top, 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 top. Ok, là on est bon, là on est bon, là ça va, là ça va, ça va, ça va, ça va, on me dévalise pas trop, ça va, ça va, ça reste correct. Ça coûte cher ça, hein. Vache, huile d'olive. Quelle heure dimanche, je sais pas, si je live dimanche, ce sera sûrement dans l'après-midi. Ce sera sûrement dans la journée, je peux pas vous dire pour l'instant, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que je vous dis de follow et d'activer la cloche, comme ça au moins vous êtes au courant. Si je lance un live, parce que je, pour l'instant je sais pas, c'est trop tôt pour que je sache. Ça dépend vraiment de comment est-ce que j'avance sur le taf que j'ai en attente. Ok, je vais remettre du stock de pain de mie. Ok. Et là on enchaîne, en vrai on enchaîne bien, hein. Je suis vraiment content, on enchaîne bien la farine. La farine, tac tac, ok. Et là c'est l'heure de pointe, là c'est l'heure de pointe, là ils viennent tous, je sais, je commence à connaître mon taf, là c'est l'heure de pointe, là c'est la panique pour tout le monde là. Robert ça va bien se passer, c'est l'heure de pointe Robert, ça va bien se passer mon pote, on va s'en sortir, 1300 balles aujourd'hui, j'avais pas vu, 1300 balles aujourd'hui, j'avais pas vu, c'est une franche réussite, 1300 balles, je vais pleurer. Notre magasin il buzz Robert. Il buzz. Oh là les paniers de zinc, les paniers de... Ça consomme, hein. Ça consomme très fort. Hein. Ça consomme. Hein. Madame, ça consomme très très fort. J'ai pas trouvé de farine, on peut pas tout avoir dans la vie. Hop monsieur, petite fête ce soir de prévu. Je vois du chocolat, je vois un petit date peut-être. Hop. Oh là 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 là, lui il a fait son stock du mois. Il a fait son stock du mois mon petit pote. C'est encore Greg MMA. C'est encore Greg MMA. Après, champion de MMA, il faut les apports journaliers, hein. Hop. 1500, je vais pleurer, 1537, je suis ému de ce qu'est devenu Chris Market, Mais ils m'ont dévalisé, hein. Ça manque vraiment d'un petit spot ici, Ah mais c'est fermé, d'accord, je peux pas. Oui. 66,94, tu te rends compte? Mais il faut... Quoi, descendre? Mais attends, mais il faut que je termine la journée, là. Oui, bah j'arrive dans 2 minutes. Attends, t'as déjà pris le Uber? Mais c'est une dinguerie de faire ça. J'arrive. Je quitte Chris Market, j'arrive. Oui, je descends, j'arrive. Ah, à tout de suite. Ah, elle a commandé l'Uber, il arrive. Robert, dépêche. C'est bon, la journée est finie. C'est combien là, la vie là? Plus, j'arrive plus à parler. C'est hyper cool. 1700 balles. Les amis, je sauvegarde. Oh, j'ai failli quitter sans sauvegarder, j'aurais pété un plomb. J'ai sauvegardé. Je dois y aller. Parce que je vais me faire fumer par le Uber sinon. Et par Adeline. Des bisous les amis, merci beaucoup d'avoir été présents. N'hésitez pas à follow la chaîne si je ne l'ai pas encore fait. Dimanche peut-être que je lance un live. Du coup c'est pour ça que je vous dis follow la chaîne comme ça au cas où.
vous pouvez. Et bref, on se tient au courant, je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne soirée, merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup d'avoir été présent. Je me suis bien amusé, j'ai passé un super moment, je passe hyper vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vous fais des bisous, au revoir, merci beaucoup au modo, bisous bisous, et à très vite. Bisous tout le monde, je me dérange, je vais me faire fumer.